Bien, bonsoir à tous. Nous allons donc débuter notre conseil municipal, le dernier de l'année, afin d'améliorer l'enregistrement audiovisuel. Des micros ont été installés de façon à ce qu'on puisse, sur les vidéos qui seront diffusées, avoir un enregistrement du son qui soit de bien meilleure qualité. Il y a une des séances qui n'a pas pu être mise en ligne parce que on n'entendait rien. Donc, c'est un essai qui n'a pas suscité d'investissement nouveau de la mairie. On verra si ça marche. Si c'est le cas, on renouvellera l'expérience. Sinon, ça nous obligera à quelques investissements pour offrir ce qui est au fond la démocratie locale, à savoir la possibilité pour tous les concitoyens d'assister à nos débats et à nos décisions. Je vais procéder à l'appel. Marion Verginien a donné pouvoir à moi-même. Serge Claverie. Présent. Marie-Ange Babert. Présent. Jacques Choulet. Présent. Madame Claire Duprat. Présent. Jean-Marc Fabier. Présent. Sophie Dupouille. Présent. Arnaud Fabre a donné pouvoir à Sophie Dupouille. Élisabeth Brett. Oui. Yoann Labarère. Présent. Aurélie Lévesque a donné pouvoir à Jean-Marc Fabier. Bruno Lamaison a donné pouvoir à Christophe Priam. Emmanuel Lacroix. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Voilà. Christelle Plaire a donné pouvoir à Serge Claverie. Christophe Bergès. Présent. Marjorie Fautous. Présent. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pincoré. Un pouvoir. Très bien. André Lafargue. Présent. Alain Arambat. Présent. Jacques Tellier. Présent. Très bien. Je remercie le public qui est venu en nombre ce soir. C'est l'avantage des vacances. Ça permet à certains jeunes étudiants de venir assister à notre conseil. Y a-t-il des remarques et des commentaires sur le procès-verbal de notre séance précédente? Oui. Alors, Bernard, vas-y. Qui me reçoit? Merci Jean-Marc. Non, simplement, ce n'est pas une observation sur le procès-verbal lui-même, c'est simplement une question. Le procès-verbal doit-il être ou non affiché aux portes de la mairie? Le tableau d'affichage, je crois que oui. J'ai voulu le consulter, il n'y était point. Il a été le 20. Alors, Madame Lestrade m'évoque qu'il a été affiché, mais qu'on a des problèmes de vol sur les documents qui sont affichés, qui sont enlevés. De toute façon, moi, je trouve que cet affichage tel qu'on l'a aujourd'hui est très brouillon. Notamment, les documents d'urbanisme sont sur les panneaux. J'ai la notification d'affichage, si vous voulez. On avait fait des copies. Moi, je pense qu'il faudra un affichage sous verre. Qui permettra d'éviter ces dysfonctionnements. C'est vrai qu'on a l'affichage qui, contrairement à d'autres mairies, n'est pas dans le hall d'entrée, il est dans une pièce un peu séparée où, au fond, les gens sont isolés du regard. Voilà. Mais la séance d'aujourd'hui a bien été aussi affichée le 21 décembre. Donc, alors je rebondis là-dessus, parce qu'on reçoit, là on le reçoit après la maison de PV, donc avec la convocation. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est doté d'une ligne par Internet. Est-ce qu'on ne pourrait pas, ça n'a aucune valeur légale, le recevoir dès qu'il est rédigé? S'il n'y a pas d'interdit légal. Alors, Mme Lestrade me glisse à l'oreille que si le Conseil en est d'accord, moi j'y suis bien entendu favorable. Ce qui nous permettrait peut-être de le mettre en ligne plus vite aussi. Si ça vous va. Eh bien écoutez, c'est l'avancée de la démocratie. Jean-Marc, tu veux dire quelque chose? C'est bon, je fais normal. Hein. On va s'y habituer. Ouais. Juste, page 5, en haut, on marque notamment A sur Adour, R sur Adour.
Ensuite, nous avons un conseiller municipal qui a lu en intégralité le procès verbal. Deux. Ensuite, page 8, M. Martinez rappelle que la communauté de communes du Cap de Gascogne intervient dans sur ses sur les compétences. Ensuite, sur les pages 12, je n'ai pas tout lu. Page 12, il y a une phrase là, à la fin d'un paragraphe. Remanier, c'est hors le succès de ces dispositifs, un agent pour expliquer, il y a un manque. Donc page 12, donc à la fin du troisième paragraphe, il y a une phrase qui n'est pas très compréhensible. Et enfin, sur mon intervention, j'ai fait quelques corrections que je vous donne. Je les ai tapées comme ça, ce sera plus exact. Toujours avant de rentrer dans le premier point, je voudrais rendre compte des décisions que j'ai pu prendre dans le cadre des délégations que vous m'avez conférées. Ah oui, excusez-moi. Merci Jean-Marc. Je voulais aller trop vite. On va approuver donc ce procès verbal qui intègre ces modifications-là. Y a-t-il des gens qui votent contre? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Pratique nouvelle, ça ne se faisait pas jusqu'alors. Dans mes mandats précédents, je tiens à ce que vous soyez informé de toutes les décisions que je prends au titre des délégations que vous m'avez remises. Alors là, il y en a un certain nombre, puisqu'on ne l'avait pas fait jusqu'alors. À l'avenir, je vous en informerai conseil après conseil, il y en aura beaucoup moins. Décision numéro 1, c'est la mise en place d'une ouverture de crédit à court terme auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel, qui allait du 15 mai jusqu'au 15 mai 2016, pour un montant de 400 000 euros, qui est une ouverture de crédit du même montant que celle de l'année d'avant. Et au jour où je vous parle aujourd'hui, nous en consommons 0 euros, puisque nous sommes sans besoin de recourir à cette ligne de crédit-là. Mais bien entendu, dans l'année, il y a des moments. Il y a des grosses sorties d'argent, il y a donc des décalages de caisse. Celle-ci est faite pour faire face à ces éléments-là. S'il y a des questions, je suis là pour répondre à toutes les questions par rapport à ça. Deuxième décision prise au titre des pouvoirs que vous m'avez conférés. J'ai souscrit sur le budget principal de la ville auprès de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, un emprunt de 800 000 euros qui est en vue de l'acquisition foncière qui est à l'ordre du jour et qui est d'ailleurs le premier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal. On est là sur des montants financiers, bien entendu, qui sont tout à fait... très élevés. La durée, pardon. Alors, la durée est de 17 ans, puisque le remboursement se fera sur 15 ans avec un décalage de 2 ans pour le premier remboursement, de façon à nous permettre d'attendre, d'avoir le premier, d'essayer d'avoir les premiers terrains en vente en même temps qu'on commencera à avoir les remboursements. On profite de taux d'intérêt exceptionnellement bas, puisqu'on est à 1,87%. Décision numéro 3, pour financer les investissements qui étaient prévus au budget 2015, nous avons souscrit au Crédit Foncier un emprunt de 740 000 euros, ce qui veut dire que nous poursuivons cette année la politique de désendettement, puisque les emprunts nouveaux sont inférieurs au remboursement d'emprunt de l'année. Cet emprunt nouveau a été souscrit à un taux effectif global de 2,24% pour
durée de 20 ans. Décision numéro 4. Pour les travaux de réseau d'eau potable et d'assainissement au programme 2015, je vous rappelle que ce soit la rue du Tribunal, la rue de la Tuilerie, la rue Montaigne, les chemins du Frère de Xaintrailles, Arnaud de Molle, le chemin de Pipoulan, ceci pour l'eau, pour revoir tout ce réseau vieillissant qui fuyait, et la reprise du Hundemess, ça c'est l'assainissement, c'est le grand chantier que les concitoyens ont pu voir au pied du parking du jardin de Toulouse, puisque c'est la canalisation principale qui repart vers la station d'épuration. Il y en avait donc pour un montant global de 770 373 euros. Et ceci a fait l'objet donc, d'une attribution de marché à l'entreprise Sogea. Décision numéro 5. Sur la réhabilitation du château d'eau d'Ontanières, c'est l'entreprise Resina qui a été retenue pour un montant de 388 000 euros. Là aussi, c'est des investissements pour 50 ans. D'ailleurs, le marché sort de manière inférieure à ce qu'on avait prévu dans nos premières hypothèses, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Décision numéro 6, nous avons souscrit auprès de la société Stratégie Locale, basée à Ustaritz, une prestation pour nous assister dans la renégociation de la dette. Nous avons donc aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont anormalement bas, je devrais dire, et donc il peut être intéressant aujourd'hui de renégocier les prêts, pour essayer de profiter de ces taux d'intérêt qui sont deux à trois fois moins élevés qu'il y a 4-5 ans derrière. Décision numéro 7. Donc là, un emprunt pour financer les travaux du budget de l'eau que je vous évoquais tout à l'heure. Un emprunt de 265 000 euros. Un taux de 2% qui a été souscrit au prix du crédit foncier. Un autre emprunt, qui celui-là est sur le service assainissement, pour 215 000 euros, là aussi à 2%. Nous avons une neuvième décision qui a consisté à souscrire auprès de M. Jacques Kemp une mission de conseil sur de la veille juridique sur l'accompagnement aux réponses à la Chambre régionale des comptes et sur une assistance au recrutement du directeur général des services de la ville, entre autres. Donc plutôt des missions d'assistance juridique, financière et de ressources humaines. Pour quel montant, s'il vous plaît ? Pour un montant de 15 000 euros. Vous pouvez nous donner le pédigré de Monsieur Kemp, s'il vous plaît ? C'est l'ancien directeur national du Centre de la fonction publique, l'ancien directeur général notamment de la ville de Nîmes également, qui a une société de conseil depuis plusieurs années. On avait consulté plusieurs sociétés, étant lui localisé à côté de chez nous, c'était le mieux placé en prix. Il ne connaît pas le département, il n'a jamais travaillé chez nous dans les Landes. Il travaillait également à Dax. Il avait quelle fonction à Dax, s'il vous plaît ? Directeur général des services. C'est un bon profil. Dixième décision, nous avons souscrit le concessionnaire Milano à Mont-de-Marsan, une location avec option d'achat pour un Fiat Doblo sur une durée de 60 mois et 120 000 km. Pour notre électricien, Steve Delay. Et donc c'est un petit véhicule équipé pour faire des interventions et éviter qu'il n'ait à utiliser son véhicule personnel.
C'est donc un véhicule qui lui est affecté par nécessité absolue de service. Comment juridiquement on lui octroie ce véhicule? Alors, c'est un véhicule qui n'a que pendant ses heures de travail. C'est pas un véhicule. C'est un véhicule de service. Il se trouve qu'il y avait eu un gros renouvellement fait sous la mandature principale précédente, où vous aviez renouvelé les masters des 3,5 tonnes. Il nous manquait un petit véhicule. Il nous semblait opportun plutôt que d'acheter de louer avec option d'achat. Alors, dernier point, nous avons reçu un don de 10 000 euros d'une particulière du département qui a souhaité faire ce don à la commune pour accompagner la commune dans le financement de la restauration de l'abbatiale. Et donc au titre que ce don est affecté à un projet de restauration du monument historique. Il y a des exonérations derrière. Donc, moi, je remercie cette mécène qui a pris contact avec Jean-Marc Fabien et qui vient concrétiser un discours qu'on tient depuis longtemps que, au-delà des partenaires publics, il faudra un moment ou l'autre, on arrive à fédérer des amoureux du patrimoine de notre ville pour nous accompagner dans les projets de reprise en main de ce patrimoine-là. Oui. Au-delà de 4 000 euros, les droits doivent faire l'objet d'une délibération. Ça ne fait pas partie des délégations qu'on vous donne. Je sais qu'on a pris une nouvelle délibération à ce sujet. Écoutez, selon moi, non. Maintenant, s'il faut qu'on prenne une délibération, on va vérifier ce point. On le prendra. Mais selon tous les contrôles de légalité que l'on a eus, a priori, non. Nous aurons de toute façon un conseil municipal probablement dans le mois de janvier. Cette dernière décision date il y a 8 jours, je crois. J'ai retrouvé la délibération, il n'y a plus la somme. Non, il n'y a pas de somme. Ouais. Bien, ben écoutez, c'est une première à ma connaissance, donc, depuis des années et des années. Donc c'est aussi le fruit du travail d'association de la population, de sensibilisation de la population que mène Jean-Marc, pour que ces aspects patrimoniaux ne soient pas simplement des notions techniques ou administratives, mais qu'on puisse transmettre cette passion au plus grand nombre. Premier point à l'ordre du jour, l'acquisition de parcelles N46, N78 et N114. On dit comme ça, c'est un peu barbare. Pour le grand public, ce sont les terrains, ce champ, qui sont derrière la crèche et qui vont aujourd'hui jusqu'au serre Ségas, au lotissement Gabaret. Et j'ai là sous les yeux un plan du plan local d'urbanisme tel qu'il est aujourd'hui. Pour ceux qui vont du côté de Nothomb, c'est tout ce qui est à la droite de ce petit chemin qu'on emprunte pour rejoindre le carrefour quand vient de Gabaret et de l'avenue du Général Leclerc. Donc c'était le terrain plat en zone aujourd'hui ouverte à la construction de plus grande ampleur et le plus proche du centre-ville. Et donc nous vous soumettons ce soir la possibilité de l'acquérir afin de porter un beau projet derrière, mais qu'on va vous détailler un peu plus dans le point numéro 2. Y a-t-il une question? Oui, Jacqueline. Alors le mieux, c'est peut-être de prendre le micro, comme ça, on s'entendra bien. On aurait aimé avoir l'avis des domaines du 17 août 2015, qui devait être annexé au document qu'on a vu. On n'a pas laissé parvenir et qu'on n'a pas lu. Alors écoutez, je vous le fais passer. L'estimation des domaines, il y en avait une le 26 septembre 2014 qui était à 6,45 € le mètre carré, pas simple.
Il y en a une qui a été refaite le 15 juin 2015, qui est un peu... On va vous les faire passer là-dessus, comme ça vous l'aurez. C'est à 5,89 €. C'est estimé plus bas. Nous avions oublié dans la première estimation des domaines une petite parcelle qui est contre la cuisine centrale, qui fait aujourd'hui l'objet d'un placement réservé. Alors, je leur ai posé la question. Vous allez le comprendre au travers du schéma. Vous avez en orange toutes les parcelles qui sont aujourd'hui ouvertes à la construction. C'est bien connu aussi, le schéma. Je vous en fais une. Je vous le fais passer. Aujourd'hui, il y a 17 hectares ouverts à la construction sur cette zone-là, dans lesquels il y a un emplacement réservé qui est d'une surface de 2 hectares à 56 que vous aviez prévu lors du PLU précédent pour un agrandissement éventuel de la crèche, la cuisine centrale et de toutes ces parcelles de ce côté-là. Le fait que la deuxième estimation ne porte plus sur les 17 hectares mais que sur les 12, le plus proche du centre-ville, fait que pour eux, le fait qu'il y ait un emplacement réservé qui proportionnellement est plus important, abaisse le prix. Il faut savoir que dans le prochain PLU, celui sur lequel on est en train de travailler ensemble, on va faire sûrement sauter tout ou partie de cet emplacement réservé, qui nous paraît aujourd'hui, au regard des besoins d'équipement public nouveau, disproportionné. Il vaut mieux concentrer un maximum de ces espaces à de l'habitat. Par contre, il y a un élément qui me paraît, moi, très important d'être expliqué à tous, c'est que ce projet de réaménagement, qui prévoit donc du logement nouveau à Saint-Sevé, au plus proche du centre-ville, va nous permettre de restructurer la ville. Et en particulier de raccorder les lotissements de Saint-François, La Fontaine, Gabaret, à l'entrée de Leville, qui est du côté d'Escalès. Or aujourd'hui, ce chemin de Noton, cette route encaissée est très dangereuse, et pas du tout adapté au flux de voitures. Dans le projet qui était le vôtre à l'origine, vous aviez prévu deux traversantes pour aller grosso modo du cimetière en longeant la crèche et la maison des services pour rejoindre l'avenue du Tursan. Nous allons pouvoir, au travers de ce projet, restructurer la ville et raccorder Escalès, l'avenue du Tursan, cette nouvelle entrée au quartier résidentiel, et essayer de créer des liaisons douces pour que les gens qui puissent habiter là puissent aller en vélo, à pied, en toute sécurité, à la fois vers le centre-ville et vers les zones de commerce. Donc au-delà d'un projet d'habitation, on a vraiment un vrai projet structurant, et avec 12 hectares, on a vraiment la capacité d'accueillir un nombre de personnes important. Sur les prix des terrains, donc on conclut à 6,70 €. C'est libre de droit. Je pense que c'est important de le signifier. Ce qui explique que ça soit un peu plus élevé que les domaines. Mais si je compare aux deux dernières acquisitions de la ville, les terrains pour La Fontaine 1 avaient été achetés à 12,27 € et La Fontaine 2 à 10,57 €. Donc je crois qu'on est dans un prix du mètre carré qui est beaucoup plus raisonnable, et qui va nous permettre à la fois de financer les infrastructures qui sont nécessaires, tout en permettant d'avoir un prix du mètre carré qui soit tout à fait commercialisable. On revient donc vers les prix des acquisitions des terrains qui étaient en vigueur il y a une quinzaine d'années, lorsque la zone d'aménagement d'Escalès avait été envisagée, où à l'époque les terrains avaient été achetés à 6,50 € le mètre carré. Donc il y a eu un envolé des prix, qui nous met un peu dans la difficulté aujourd'hui pour finaliser La Fontaine, et là je pense qu'on revient dans quelque chose de tout à fait cohérent. Et donc c'est un projet qui de toutes les manières mettra une bonne dizaine d'années vu les surfaces être vendues. Donc loin d'être tourné vers le passé comme certains voudraient nous caricaturer, on prépare réellement et le présent et l'avenir. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ce sujet ?
Oui, juste. Oui, oui, pour expliquer un petit peu, effectivement, visitons que c'était d'abord le règlement de cet emplacement qui était réservé à l'époque. Après, ça reprend l'esprit de ce règlement, il n'y a pas de souci. Et en termes de prix, effectivement, le fait d'avoir aussi une grande surface, ça permet aussi de minorer un petit peu le prix du carré. C'est aussi, par exemple, c'est vrai que c'est important. Ça. Et puis, une réalité économique, hein, c'est oui. Que ces terrains avaient failli être vendus à des privés oui. Il y a 5-6 ans, mais la crise immobilière passant par là, aujourd'hui, si la puissance publique ne se remonte pas les manches et n'a pas une régulation active, aucun privé n'est en capacité aujourd'hui de lancer un projet de cette ordre. Monsieur Martinez ? Oui, moi je vais revenir par rapport à vos délégations. Vous avez donc dit que 800 000 euros avaient été mobilisés sur une durée de 17 ans pour justement donc, ce projet d'écoquartier. Ça veut donc dire que cet emprunt a été signé par vous-même, avec comme base juridique la délibération initiale du 22 juin 2015 qui fait l'objet d'une modification aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Et vous voulez en venir où, M. Martinez ? La délibération, on ne modifie pas une délibération au conseil municipal, c'est on annule, on remplace. On ne modifie pas. On change les termes de la délibération du 22 juin. Donc cette délibération du 22 juin, juridiquement, n'est plus censée exister. Puisqu'il y a un nouvel avis des domaines sur les trois parcelles concernées, avec un nouveau montant en valeur absolue et un nouveau montant au prix du mètre carré. Donc, quelle est désormais, si cette délibération est votée, la base légale, la base juridique concernant votre contrat de prêt de 800 000 euros ? J'ai du mal à vous suivre, mais... Monsieur Dauzin, si vous faites un emprunt, votre banquier va vous demander une pièce justificative. Nous avions délibéré au mois de juin, oui. Où on avait délibéré de mémoire sur le principe de l'acquisition. Et... Je n'ai pas rêvé. Mais là, vous dites qu'on la modifie, la délibération. Non, on ne modifie pas une délibération juridique. Non, il vous fait part de ses délégations, c'est pas parfait. Il n'est pas obligé de faire. On annule la délibération du 22 juin ou pas ? Là, aujourd'hui, elle n'est pas annulée, elle est substituée par la délibération de ce jour. Donc elle est annulée. On va essayer d'être... On a rajouté une parcelle et on a sur le projet que nous avions soumis à l'ordre du jour du mois de juin. Puisque dans le mois de... Sur le sujet que nous avions évoqué au mois de juin, il manquait la parcelle 78, qui est la petite parcelle qui est là. J'entends bien. Alors, si c'est pour pouvoir signer le sous-saint demain, j'ai besoin qu'on redélibère aujourd'hui, de façon à ce qu'on intègre à la délibération qui va m'autoriser à signer le sous-saint pour l'acquisition des parcelles, en intégrant bien la N78 qui n'était pas à la délibération précédente. La délibération, moi je ne vous parle pas du sous-saint de demain, je vous parle de la page juridique sur la mobilisation de l'emprunt. C'est la délibération initiale du 22 juin ou c'est cette nouvelle délibération qui se substitue ? Se substituer juridiquement, ça veut dire que celle du 22 juin n'existe plus. Non, mais l'emprunt, il a été souscrit sur la base juridique de la délibération du juin. Non, ça veut dire que celle du 22 juin continue à exister en même temps que celle que vous allez nous mettre au vote ce soir. Oui, donc ça veut dire que nous allons voter deux fois sur des parcelles avec deux avis des domaines différents. Vous me suivez là ? Oui, alors ? Ça ne vous interpelle pas. Mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, vous m'autorisez à signer un acte pour l'acquisition des parcelles à N46, à N78, à N114, au prix de 6,70 € le mètre carré, et sur lequel vous avez une estimation des domaines qui a été faite il y a un mois et demi ou deux mois, qui est différente de celle qui avait été faite l'année d'avant, puisque l'estimation précédente n'est pas sur les mêmes parcelles. C'est ce que je dis. On ne modifie pas la délibération, on annule celle du 22 juin, on est d'accord. On annule ou pas celle du 22 juin. Une délibération ne se modifie pas. On annule la précédente et on réécrit intégralement la nouvelle délibération. C'est ça la réglementation. Effectivement,
Écoutez, moi, vous avez tous les éléments pour vous permettre de prendre une décision. Vous avez bien l'estimation des domaines, vous avez bien le parcellaire. Pardon, monsieur le maire. Le parcellaire, j'ai les numéros, j'ai pas le plan, et l'avis des domaines, je l'ai eu ce soir. Donc je n'ai pas eu, dans le cadre des 5 jours francs de délai, l'avis des domaines. Cette délibération, au-delà du fait que les pièces ne sont pas présentes, comme stipulé dans la note de synthèse, je propose ma question, annulons-nous ou pas la délibération du 22 juin? Ma question est simple, oui ou non? Dites-moi, et après j'en tire les conséquences juridiques. Ah, écoutez, moi je ne suis pas juriste, donc je vais poser la question à la ministre des Strates. Mais si vous complétez, vous ne prenez que la parcelle manquante. Vous nous refaites un avis des domaines sur des parcelles avec un montant différent. Moi, je me conforme à la demande du notaire qui a demandé à ce qu'on ait une estimation des domaines, une délibération modifiée. Je vous parle de votre contrat de prêt. Quelle est la base juridique de votre contrat de prêt? Est-ce la délibération du 22 juin? Attendez, Non, mais je vous ai déjà répondu. Je vous dis que le prêt, je vous remercie. Le prêt a été signé sur la base de la délibération du juin, puisqu'en juin, on envisageait déjà de faire ce projet, et que moi, je n'ai pas pour habitude d'aller signer chez le notaire sans savoir si j'ai l'argent. Donc, je suis allé voir, nous avons mené une négociation avec les banques, je crois qu'elle est bonne, nous avons maintenant l'argent. Au moment de revenir vers le propriétaire pour lui dire dorénavant, on va finaliser, il y a un problème de parcelle, et donc nous avons ce soir une nouvelle délibération, non pas sur le prêt, qui lui a été souscrit, qui est opérationnel, et qui est pour finaliser l'acquisition des parcelles. Maintenant, je crois que c'est un joli projet, nous avons 400 personnes qui pourront venir habiter sur ce beau quartier, qu'on va pouvoir enfin sécuriser des axes qui permettraient de relier des territoires résidentiels à l'entrée de ville. Maintenant, moi, je soumets au vote cette délibération. Excusez-moi, monsieur le maire. Est-ce que vous annulez ou pas la délibération du 22 juin? Oui ou non? Mais répondez-moi, c'est pas compliqué. Oui ou non? Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, vous avez une délibération qui s'appelle l'acquisition des parcelles N 46, 78 et 114, qui vont me permettre de signer l'acquisition de ces parcelles. Vous m'autorisez, vous autorisez le maire à signer le compromis de vente et la vente avec les propriétaires qui intégrera une clause de validation obligatoire pour le conseil municipal. Est-ce que vous autorisez le maire à entreprendre des démarches préalables à la réalisation de l'emprunt? C'est la question qui vous est posée. Donc, je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Et on expliquera votre vote. Mais vous expliquerez ce que vous voudrez. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui sont pour? Je vous remercie. Nous pouvons expliquer votre position. Mais, écoutez, si vous voulez entraver l'action, vous faites ce que vous voulez. Monsieur Tauzin, entraver, alors que dans notre note de synthèse, il est marqué en toutes lettres que nous avons l'avis des domaines annexé à la délibération, que nous n'avons pas, que personne n'a, il y a un défaut d'information concernant les conseillers municipaux que nous sommes. À ce titre, ce défaut d'information fragilise votre délibération. Le deuxième point, je le répète, on se retrouve avec deux délibérations existantes à ce jour, avec des avis des domaines différents, dont un est incomplet au 22 juin, ce qui entraîne mécaniquement une fragilité sur la signature de votre contrat juridique de prêt, qui se base sur une délibération qui manifestement a un problème. Maintenant, vous le prenez comme vous le souhaitez. Je vous dis juste qu'on vous a informé de ce que nous pensons être une faiblesse au niveau juridique. Je vous remercie. Monsieur Martinez, l'avenir nous dira qui dit vrai. Ma directrice générale des services me dit qu'il n'y a pas de faiblesse juridique. C'est pour ça que ça a été écrit ainsi. Moi, maintenant... Mais c'est votre position qui m'intéresse. Mais moi, je... Ce qui m'importe, c'est de mener une action juste, une action efficace. Le cadrage juridique, il est encadré par des services. Nous avons une directrice générale des services à ce titre. Nous avons des conseillers qui nous sont pour. Moi, ce qui m'importe, de pouvoir offrir un terrain accessible dans des bonnes conditions pour que des gens qui aujourd'hui cherchent à construire et qui n'arrivent pas à construire puissent faire construire. Mais je ne doute pas que dans un mois, s'il venait à y avoir un problème juridique, j'aurai de nouveau une majorité pour acquérir ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons
des propriétaires qui sont vendeurs et qui nous a été demandé de pouvoir signer l'acte avant de la fin de l'année pour des raisons fiscales, raison pour laquelle d'ailleurs nous avons aussi ce conseil municipal ce soir. Donc, moi j'ai un rendez-vous demain, la délibération, et je remercie la majorité, m'y autorise. Je crois qu'on fait faire une bonne affaire à la commune et une bonne affaire aux prochains propriétaires de ce quartier. Deuxième point à l'ordre du jour, création d'un budget annexe. Oui. J'aimerais que les points évoqués soient retranscrits de la meilleure manière qui soit dans le procès verbal, s'il vous plaît. Merci. Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Très bien. Elle sera très bien retranscrite. Et puis, écoutez, moi, je crois qu'on est en démocratie, c'est encadré par une légalité. Et chacun peut faire les recours qu'il veut. Création d'un budget annexe éco-quartier, puisque nous allons. Bah, écoutez, donc, que l'action continue. C'est dommage que vous ne soyez pas positionné sur le fond. Au fond, ça vous embête d'avoir un beau quartier comme ça, ou c'est que vous êtes plutôt favorable? Parce que souvent, quand on se cache derrière des arguments juridiques, c'est que le fond est embêtant. On en parlera au dernier point. L'impression que j'ai. Intéressant. L'impression que j'ai, c'est que. On voit bien qu'il y a certains arguments qui trouvent que ce projet est un beau projet. Et je le remercie d'être sincère. Moi, j'aurais préféré une opposition. Ce n'est pas le sujet ce soir. J'aurais préféré une opposition qui dise bon, on est une opposition constructive. Quand il y a un projet stratégique pour la commune, on est capable de voter pour. Mais une opposition constructive, c'est malheureusement pas forcément ce qu'on a toujours avec nous. Création du budget annexe éco-quartier, et je vais passer la parole à Jean-Marc Fabier, puisque si nous faisons l'acquisition de ce terrain, c'est non seulement pour accueillir un lotissement, mais un lotissement particulier. Il y a une démarche qui cherche à faire quelque chose de différent, de spécifique et de vraiment attractif. Et je laisse Jean-Marc présenter la chose. Oui, donc, c'est un dossier qu'on a travaillé avec la DDTM, et notamment avec l'architecte du conseil de la DDTM, M. Angeval, et avec PSP, paysagiste conseil, Madame Escavi. Et donc on est allé plusieurs fois sur le site, et ils nous ont conseillé de faire ce qu'on appelle un appel à idées sur cet éco-quartier. Et donc on a... Quel aveu ? Pardon ? Quel aveu ? Faire un appel à idées, vous l'avez pas dit ? Alors, je vais vous répondre très simplement. C'est que, première chose, des idées en main, on n'a pas d'a priori. On n'a pas d'a priori. Et je pense que si on veut faire un projet qui soit intéressant et intéressant pour tout le monde, je pense qu'il faut avoir l'avis du plus grand nombre. Et on n'est pas nécessairement imbu de soi-même. Hein. On peut s'ouvrir aux autres et savoir ce qui se passe autour de nous. Hein. Merci. On ne porte pas la science infuse. Voilà. Et je tiens quand même à vous signaler que l'architecte conseil, c'est quand même celui qui a fait le Stade de France. Et donc c'est pas n'importe qui, Monsieur Angeval. Et s'il nous a fait cette suggestion avec Madame Escavi, ce n'est pas pour rien. Et donc on a sélectionné trois équipes pour cet appel à idées. Ce n'est qu'un appel à idées, et donc ça nous permettra de prendre au niveau de ces trois équipes un certain nombre d'idées. Et l'intérêt surtout, c'est que par rapport à cet appel à idées, c'est que la population soit associée à ce travail. Et notamment, c'est pour ça que la présentation des trois équipes qui sont l'agence La Vigne, EL Paysage
et ateliers de paysage. En réalité, ce sont des équipes où on retrouve un paysagiste, un architecte, enfin, un ou plusieurs paysagistes, un ou plusieurs architectes et un ou plusieurs urbanistes. Et ils devaient nous rendre leur copie au mois de février. Je pense qu'on va repousser ça sur la mi-mars. Et ce sera sur une journée complète à laquelle la population sera invitée. Et ce qui permettra de mieux faire comprendre l'intérêt de cet écoquartier. Et je dirais, les gens, la population pourra intervenir, même par rapport aux différentes propositions qui seront faites. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un maximum d'idées. L'intérêt, c'est que la population participe. Et puis, vous voyez, c'est surtout pour dire qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas d'idées préconçues, et on est ouvert. Et si vous avez d'ailleurs un certain nombre d'idées dans l'opposition au niveau des écoquartiers patrimoniaux, nous sommes preneurs. On attend votre invitation avec impatience. Mais il n'y a pas de problème. J'ai toujours invité les gens. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours invité les gens. Oui, c'était une autre marque. Olivier Martinez a ouvert la voie. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Jean-Marc Fabier. C'est vrai que ça aurait été. J'ai fait une démarche, je pense que ça aurait mérité un travail peut-être en commission. Je le répète, je suis dans le ravagement de services dans cette assemblée. On aurait pu évoquer cette chose-là en commission avant de porter l'information devant ce conseil municipal. Enfin, je sais que je vais répéter ça pendant 6 ans, que les commissions, mais je les attendrai. Je vous sens vraiment très embêté sur tout ça. Vous me faites mal au cœur des fois. Est-ce que... On est en train d'essayer de construire le Saint-Sever de demain. On se posait la question, où est-ce qu'on construit sous quel... Alors, il serait temps qu'on s'y mette. Par contre, là, ce que vous nous proposez tous les deux, M. Martinez, vous nous proposez des commissions et de la réflexion. Alors, c'est vrai que c'est très important de savoir où on va, sur de bonnes bases. Mais à un moment donné, il faut aussi s'engager. On a quelquefois parlé du public et du privé. Le privé a quelquefois tendance à s'engager en ayant les bases suffisantes, mais on y va à un moment donné. On attend toujours. On est également dans une période de crise. Alors, dans cette période de crise, il y a des gens qui sont exposés, qui sont franchement exposés, c'est vrai qu'il y en a qui en subissent aussi les conséquences. Et dans ces périodes-là, il est bon d'y aller un petit peu à la manœuvre. Sur de bonnes bases, c'est vrai. Mais il faut y aller. Mais c'est pas toujours réfléchir. Les commissions servent à ça aussi. Les commissions, il y en a des commissions. Mais écoutez, quand il y avait moi, j'ai reçu des convocations à les commissions, j'y vais, et j'en ai pas mal. J'ai du boulot à faire. Et si on veut en dehors des commissions pour alimenter le travail des commissions, il y a de quoi faire aussi. On va rétablir une règle simple, c'est que quand on veut parler, on demande la parole. Commission, il y en a. On a mis en place une commission sur les AVAP, l'aire de valorisation de l'architecture. L'aire de valorisation de l'architecture du patrimoine, d'ailleurs André, puisque Alain Rambat, qui devait représenter l'opposition, n'a pas pu y assister, on a accepté qu'il soit présent. Donc je crois que l'argument qui voudrait qu'on n'associe pas l'opposition au travail, bon, c'est un classique, hein, mais elle n'est pas corroborée par les faits. Revenons sur ce sujet-là. Au fond, il concerne quoi, la commission urbanisme? Vous avez assisté à toutes les réunions de préparation du nouveau PLU, et on va rattaquer au mois de janvier, et c'est cette commission-là qui sera associée sur ce projet. Par contre, on vient d'opter pour une réflexion un peu innovante pour une commune de notre taille. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois 12 hectares, c'est-à-dire un terrain immense, qui est entre deux zones stratégiques de la commune. Et donc, plutôt que de faire quelque chose de basique, on va essayer de faire quelque chose de bien. On a l'occasion de dessiner la commune de demain. C'est-à-dire, c'est quoi habiter à Saint-Sever demain? C'est quoi les besoins de la population en termes d'habitat, en termes de déplacement? Et donc, on a une double orientation qu'on a fixée dans le concours, à la fois d'affirmer le caractère patrimonial de la ville,
que construire à Saint-Sever, ce n'est pas comme construire dans d'autres villes. Il y a une identité, il y a l'esprit, il y a des façades, il y a le reste d'une histoire. Et on voudrait que les constructions neuves s'en inspirent pour garder un côté très attractif à la ville. Et puis écoquartier, il n'y a pas d'écoquartier dans les environs. Et jusqu'où aller en la matière pour proposer des logements qui soient économes en énergie, qui permettent de mutualiser peut-être des services en commun, de façon à avoir un quartier qui donne envie à 400 personnes de venir vivre à Saint-Sever. Mais je crois que c'est un bel enjeu. Il y aura l'enjeu de tous les déplacements. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se croient compétents en tout, et il y a ceux qui écoutent les autres. Et moi, je pense qu'en matière d'urbanisme, de compétences paysagistes et d'architectes, il vaut mieux faire appel à des urbanistes, des architectes, des paysagistes, plutôt que les élus s'improvisent sur des compétences qui ne sont pas les leurs. Et donc, quand vous évoquiez tout à l'heure, M. Martinez, si vous aviez des idées, ça se saurait. Mais moi, je préfère qu'on lance un concours. On a trois cabinets qui ont répondu. C'est des jeunes, pour la plupart. On en a retenu trois. Il y en a eu six. On a des gens qui ont travaillé sur des très beaux projets, la Cité mondiale du vin à Bordeaux, et qui sont très intéressés par cette idée de concevoir un nouveau quartier à Saint-Sever, et au travers de ce quartier, de concevoir le Saint-Sever de demain. Dans le cahier des charges, on a quand même défini quelques principes simples. C'est de prendre en compte les besoins de la population, les gens qui vivent seuls, le vieillissement de la population. On a défini les questions de déplacement, enfin, on a défini un cahier des charges, et j'espère qu'on aura un beau rendu visuel qui donnera envie aux gens de s'associer à la définition de ce quartier. Et puis derrière, ça aura lieu en mars, et bien on lancera derrière les appels d'offres pour permettre l'aménagement de ce quartier le plus vite possible, de façon à ce que, on l'espère, s'il y a un rebond de l'immobilier dans les mois à venir, qu'on puisse en profiter. Donc, les démarches, vos projets, l'opposition qui sera associée au titre de la commission urbanisme. Je tiens à dire qu'on a beaucoup de chance à Saint-Sever, on est en train de fédérer les compétences extérieures, des architectes qui habitent à Saint-Sever, des conseillers sur ces questions-là qui ont envie d'être associés et qui nous apportent beaucoup. On a notamment, vient d'habiter à Saint-Sever, le plus gros architecte en patrimoine qui a ses ateliers sur Paris, mais qui a une résidence secondaire à Saint-Sever. Et donc, notre métier à nous, élus, c'est de fédérer les compétences pour essayer de tirer vers le haut notre ville. Y a-t-il un dernier point ? Oui, simplement deux observations je voudrais faire. La première, donc, c'est réitérer de mon regret de ne pas avoir été associé en amont à cette démarche que je ne juge pas, je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise, qui a conduit à cet appel d'offres, cette consultation des trois cabinets. Donc je le redis, je regrette. Je le regrette d'autant plus que j'ai assisté à quelques commissions, Alain, pas beaucoup. Et je ne pense pas être quelqu'un de désagréable en commission, je pourrais être quelqu'un de positif. Donc je le regrette d'autant plus de ne pas être associé plus souvent. Ça c'est la première chose. Et ensuite je veux répondre aussi, mettre un petit bémol quand on dit que vous préparez le Saint-Sever de demain. Ça tombe bien, j'ai ce plan, merci, je te remercie, monsieur le maire, d'avoir remis ce document entre mes mains ce soir, parce que ce dessin, donc cette zone-là, même les précédentes équipes avaient prévu de l'urbaniser, entre autres celle-là, on avait même prévu des emplacements réservés. Après, on n'était pas encore au stade de l'écoquartier, mais je voulais dire aussi que le Saint-Sever de demain, j'y ai participé un peu avec les anciennes équipes. Merci. Mais moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai raison sur tout, et qu'avant moi, il n'y avait rien, qu'après moi, il n'y aura rien. Je n'ai jamais été dans cette position-là. Ça va mieux le dire. Mais par contre, il fallait réussir à débloquer ce dossier, arriver à acquérir ces surfaces-là. Vous n'y étiez pas arrivé, on y est arrivé. En tout cas, ce n'était pas fait. Arriver à obtenir des banques qu'elles nous suivent sur des enjeux pareils, ben, ça a été des réunions de travail pour y arriver. Et plutôt que de faire un lotissement basique, de faire un éco-quartier, c'est-à-dire quelque chose de sympa, ben voilà, avec un cours d'architecte et motiver, fédérer des compétences pour nous accompagner dans la démarche,
C'est du travail, et moi je tiens à remercier tous les élus qui, aux côtés de moi, font un énorme travail. Alors on va... Monsieur le maire, il y a des choses que je ne peux pas... Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, parce que dire que nous n'avons pas réussi à débloquer ce dossier, c'est faux, parce que nous n'avons pas essayé. Je tiens simplement à rappeler que sous les deux précédentes mandatures au moins, je vais rappeler simplement que des lotissements sont sortis de terre à Sartoulet, à La Fontaine, à Saint-François, des résidences, je crois qu'il y a près de 7, plus de 500 logements qui sont sortis de terre. Donc n'allez pas affirmer péremptoirement devant l'Assemblée, et qui plus est dans des comptes rendus, que les précédentes équipes n'avaient pas réussi à débloquer ce dossier de Noton. Il n'avait pas été à l'ordre du jour, on avait simplement pris des options pour venir. Point, barre. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Ah ben, ça va mieux en le disant, la vérité. Donc en gros, le dossier était tout à faire. Heureusement, c'est tout à fait reconstructif. Pour La Fontaine 2, je n'y reviendrai pas, mais on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite. Parce que les acheteurs à qui vous avez menti en promettant des aménagements sans les faire derrière, et les appels d'offres, les attributions de marché sans appels d'offres qui ont été faits, je crois que là-dessus, je pense que tout le monde peut reconnaître qu'il y a eu quand même des choses pour le moins louches. Donc, je vais soumettre au vote à la création du budget annexe éco-quartier. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Des gens qui s'abstiennent ? Des gens qui sont pour ? Je vous remercie. La vente du chemin rural de Gabaret. Il y a 50 ans, un chemin traversé, prolongé le chemin de Gabaret à travers les champs dits de l'hippodrome pour rejoindre Augreil. Ce chemin a été mis en culture. Il en reste, c'est la délibération du jour. Deux parties, une partie qui jouxte la maison de M. et Mme Michel Dabadi, et l'autre qui est en plein milieu du champ de M. Dubarry. Donc il vous est proposé, c'est la délibération numéro 3, puisque l'enquête publique que nous avons initiée a acté le déclassement, on avait vu au conseil municipal précédent, de vendre pour un prix de 2 124 €, les 2 arts et 36 centiares que concerne l'ancien chemin de Gabaret à M. et Mme Michel Dabadi. Nous avons appliqué en la matière le prix sur lequel s'était engagé Jean-Pierre Dalme à l'époque. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie de cette unanimité. En ce qui concerne l'autre bout de ce chemin, donc plutôt que de faire une vente et un achat, il se trouve que M. Dubarry est propriétaire des parcelles par lesquelles on passe pour rejoindre le château de Hontanières. Alors, certes, on l'utilise depuis toujours, mais et donc il a été proposé de faire un échange qui nous transfère cette parcelle-là qui nous sert au quotidien, et qu'en contrepartie, l'ancien chemin rural, qui aujourd'hui est en plein milieu du champ et au fond est cultivé, il soit rétrocédé. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Alors on a un échange de parcelles avec M. Lamotte. Ne me demandez pas quel hasard de la vie on fait qu'on en soit amené à ça. Il y a eu au moment d'enregistrer une session, c'était en 2007, une erreur de la part dans l'enregistrement sur les numéros de parcelles. Donc il vous est proposé ce soir de régulariser cette erreur et les frais de notaire seront offerts à la ville. Donc, c'est pour régulariser un état de fait lié à une erreur de l'époque. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. La participation de la commune de Bamako aux frais de scolarité de ses enfants inscrits dans les écoles publiques de Saint-Sever. Il y a
nombre d'élèves qui est différent de celui pour lequel nous avions délibéré au mois de juin. On vient régulariser le bon nombre au travers de cette délibération. On est rentré en contact avec le secrétariat de mairie de Bamako, qui est au courant. Vous annulez celle de juin ou pas? J'avais posé la question. Oui, je l'ai fait. Je vais faire votre place. Il y en a une qui suit. J'imagine que c'est une annule et remplace. C'est marqué qui annule et remplace. Je crois que vous êtes plus sûr de vous sur cette histoire. Ah, je suis très sûr de moi sur l'intérêt de l'écoquartier et sur le fait d'acheter ces 12 hectares à 6,70 €. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Nous n'avons jamais remis au cours de l'écoquartier. Ben, on se pose des questions, c'est important. Alors, y a-t-il des gens qui sont contre, des gens qui s'abstiennent? Vous vous abstendiez ou vous votez contre? Il y avait une question. Il avait une question rapide. On est contre la délibération. Vous êtes contre la délibération de facturer à Bamako les frais de scolarité. Il y a les votes qui, pour moi, ont des mystères. Puisque Bamako n'ayant pas d'école, nous finançons pour leur compte le service scolaire et nous leur offrons tous les services périscolaires correspondants. Il me semble tout naturel de refacturer au coût de revient ces prestations de façon à ce qu'au fond, le contribuable Saint-Séverin ne soit pas lésé. Mais bon, vous pouvez voter contre. On ne remet pas en cause la participation. On n'est pas d'accord sur les modalités de calcul. Par rapport au problème du calcul de la contribution de la ville aux élèves fréquentant l'école privée. C'est ça, c'est notre position. Et nous l'assumons, avant de partir dans des débats sans fin, votre calcul, nous considérons qu'il n'est pas légal. Point. Quel bizarre que vous ne l'ayez pas attaqué en légalité. Si vous êtes si sûr de vous, M. Martinez. Attaquez. On verra qui a raison. En l'absence d'attaque, moi je connais déjà la réponse. C'est que nous avons raison. Création d'emplois temporaires d'agents pour le recensement de la population. Donc, nous allons initier à partir de début janvier, le recensement de la population, qui se fait tous les 5 ans. Nous avons pour cela fait appel à 12 emplois temporaires d'agents recenseurs. À ce jour, nous avons 11 réponses fermes. Je puis pouvoir dire qu'il y a parmi ces personnes 100% de personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi et qui résident sur Saint-Seu. Et que donc, nous allons permettre du 1er janvier au 20 février, sur la base de 22h30 par semaine, à ces personnes-là de pouvoir avoir un complément de revenus par rapport à leurs indemnités chômage pour celles qui n'étaient pas en fin de droit. Ce sera bien entendu une incidence sur l'augmentation des frais salariaux 2016 par rapport à 2015, mais c'est aussi une mission que nous assumons à la demande de l'État une fois tous les 5 ans, sachant que là encore, il faut savoir que la prise en charge par l'État par rapport au coût que ça représente est largement inférieure par rapport au coût, mais en la matière, on est habitué. Oui. Bon, je voulais faire deux observations, mais à la première, j'ai déjà eu la réponse. À l'une des deux, en tout cas, j'ai eu la réponse s'agissant de l'origine de ces emplois temporaires. Si bien compris, c'est bien des gens qui sont en demande d'emploi et de Saint-Sever. Ils sont tous de Saint-Sever et tous inscrits à Pôle emploi. Donc ça, c'est la première réponse que j'attendais. Et par contre, il y a un deuxième aspect qui me surprend, qui me choque, c'est la nécessité de recruter un emploi temporaire d'agent coordonnateur. Il y a eu régulièrement à Saint-Sever des recensements, et ça avec toujours des recrutements d'agents temporaires, et une personne qui assurait la coordination. Cette personne a toujours fait partie des effectifs des services administratifs de la ville. Et je vais aller au bout de mon raisonnement. Vous allez monter dans le doute et me dire où est la vérité. J'apprends à comprendre aussi
que cet agent coordonnateur, je l'ai dit dans l'ordre, oui, serait un ancien employé de la ville de Saint-Sulpice, pour ne pas le citer, un retraité. Donc, est-ce que vous pouvez me dire oui ou non, me justifier la nécessité de recruter un agent coordinateur, et secondement, de me confirmer ou de m'infirmer le fait qu'il s'agisse d'un retraité ou pas? Mais les choses sont très simples. Katia, qui est en charge de cette question, est tombée en arrêt maladie mi-novembre, au moment où elle est débuter ce travail important et où elle est débuter la formation qui sont faits par les services de l'État. Donc nous avons été dans l'obligation, je dirais du jour au lendemain, de trouver une solution, et je remercie grandement Nicole Bégard et Monique Clément d'avoir au pied levé accepté une mission de nous rendre ce service, puisqu'au fond elle l'avait fait sur le poste précédent. On s'est posé la question, est-ce qu'on prend ce risque-là? On espérait que Katia puisse revenir plus vite. Malheureusement, à ce jour, Katia est toujours en arrêt. Donc heureusement qu'on a pu avoir sur place une ressource opérationnelle. De surcroît, de prendre quelqu'un qui connaît bien la ville sur un sujet comme celui-là. Au fond, c'est quoi? C'est définir les quartiers, s'assurer que les adresses sont bonnes, faire une bonne répartition de la charge de travail. La connaissance de la ville est aussi importante que la connaissance des textes administratifs. Et donc, on a pu, grâce à la bonne volonté de ces deux personnes, répondre à un aléa qui arrive. C'est qu'on a un agent qui est en arrêt maladie. Et donc, si nous n'avions pas eu de personnes opérationnelles, nous aurions ouvert le poste à quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour une personne qui aurait moins bien connu la ville et qui n'aurait pas déjà fait ce travail. Maintenant, les caisses de retraite prévoient le cumul entre les salaires et les pensions de retraite. Il y a aussi parmi les deux agents que j'évoque, une des deux qui a une faible retraite. Et donc je ne vois pas en quoi le fait de faire appel à des retraités pour une mission courte, sur laquelle ils ont une expérience qu'on n'a pas d'autres personnes, est un mauvais choix de ressources humaines. Si maintenant on demande aux jeunes déjà qui vont sur le marché du travail une expérience, on va avoir un bac plus 5, on demande une recherche d'emploi, ça ne suffit pas, il faut l'expérience. Alors, si maintenant l'expérience c'est l'âge de la retraite, c'est une idée pour l'autre. Je veux bien qu'on lance le débat. Je veux bien qu'on lance le débat surtout. Par exemple, jeune diplômé à Saint-Sever en capacité de faire cette mission? Non. Au pied levé, il fallait répondre du jour pour le lendemain. Nous avons, c'était à 3 jours près, il fallait participer à une première réunion qui a eu lieu, je crois, à Roquefort. Et donc, au pied levé, on a fait le choix de quelqu'un qui était opérationnel. Point. Lorsqu'on a, on n'a pas hésité à prendre des CAE en plus sur des domaines de compétences nouveaux pour offrir à des jeunes la possibilité d'avoir une première expérience, notamment en matière de communication. On n'a pas hésité aux écoles à recruter des jeunes. Madame De Sens a 29 ans. Madame, c'est la première fois qu'elle pouvait avoir un poste de directrice adjointe. Magali De Sens, en contractuel. Nous avons pris un électricien qui est aussi quelqu'un de relativement jeune. Moi, je ne fais pas du critère d'âge un critère discriminant. Je constate que sur un poste de 1 mois et demi, on nous demandait du jour pour le lendemain de pouvoir relever le défi. On a eu la chance d'avoir l'ancienne personne qui a accepté. Et moi, elle rend un grand service à la ville. Et je la remercie du fond du cœur d'avoir accepté. Nous allons donc mettre... Excusez-moi, vous nous parlez de deux personnes alors qu'on parle d'un poste dans la délibération de coordonnateur. Vous avez évoqué Mademoiselle Bégard et Madame Clément. Dissiper le malentendu. Qui fait quoi? C'est Madame Bégard qui est la titulaire du poste pour évoquer, pour faire le recensement et le piloter. Et Monique Clément fait partie des 12 emplois temporaires complémentaires, puisqu'elle a une compétence en informatique qui permet d'aller plus vite et de bien préparer le travail. Voilà.
Alors, écoutez, moi, ce n'est pas, moi, je n'ai pas en matière de ressources humaines, mais a priori. Mais quand il y a des urgences et qu'on a des anciens qui acceptent de nous rendre ce service, je dis chapeau et merci à eux parce que vraiment, elles le font dans l'esprit de servir la ville et de nous rendre un grand service. Et j'espère que Cathia reviendra le plus vite possible. Ça veut aussi dire qu'on a des effectifs administratifs qui sont en tension et pour lesquels, quand on a une absence, on ne peut pas confier le travail aux autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle, dans le nouveau contrat d'assurance, on a mis en place quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. Nous serons indemnisés contre, à partir du 1er janvier, pour les arrêts maladie ordinaires. Ce qui nous permettra budgétairement, en cas d'arrêt maladie, de pouvoir faire appel au personnel supérieur pour que le service public ne soit pas altéré dans ces cas de figure-là. Mais là, dans ce cas d'espèce, il fallait réagir dans l'urgence. C'était de surcroît une période où il y avait les élections, bref, il y avait beaucoup de travail à la mairie. Et donc, y a-t-il des gens qui sont contre, des gens qui s'abstiennent, des gens qui sont pour? Je vous remercie. Création de 3 emplois temporaires à Adjoint Animation. Ça, c'est toujours en lien avec les écoles. Je vous rappelle que nous avons obtenu pour la première fois le conventionnement de la CAF pour faire de notre garderie un accueil de loisirs sans hébergement, que nous respectons les règles d'encadrement en matière également de temps d'activité scolaire, mais que la conséquence de tout ça, c'est que ça nous oblige à faire appel à des personnels formés et en nombre suffisant. Nous avions l'an dernier à la mise en place fait appel beaucoup à des intervenants extérieurs qui étaient un auto-entrepreneur ou qui étaient artisans, bref, qui avaient leur propre statut. Cette année, nous avons plutôt développé des contrats de titulaire BAFA ou CAP petite enfance, puisqu'économiquement, ça nous revient moins cher, ça nous permet de stabiliser des équipes. Et donc, je vous ai demandé la possibilité de créer 3 emplois de point d'animation deuxième classe, sur des durées d'emploi de 14 heures hebdomadaires. Y a-t-il par rapport à ça? Juste avant de passer au vote, pardon. Une remarque, une question. Lors d'un précédent conseil municipal, nous avions demandé, de mémoire, ça devait être en avril ou en novembre l'année dernière, je ne sais plus, un récapitulatif en quelque sorte des activités périscolaires. En termes notamment de coûts, puisqu'il y a des fonds d'amorçage que nous avons reçus de l'État et aussi des subventions CAF, vous l'avez dit, en lien avec les contrats que la municipalité a mis en place pour organiser ces tables. Donc, est-ce qu'à ce jour, puisque nous en commission, nous ne l'avons pas débattu, en tout cas, nous n'avons pas parlé, nous avons eu les chiffres en termes d'effectifs, mais pas en termes de coûts ou de recettes, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner ces éléments à ce jour, que ce soit pour les personnels, que ce soit aussi peut-être les chiffres des personnes bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces tables. Bonjour. Aujourd'hui, on a une masse, mais on n'a pas les chiffres précis. On y a encore travaillé dessus ces derniers jours. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a aujourd'hui une multiplicité d'intervenants. On a des gens qui s'arrêtent, on a des gens qui reprennent. On a énormément de mal à fidéliser des intervenants. L'an dernier, par exemple, pour l'aide aux devoirs, les deux intervenants qui étaient le plus autonomes ont eu leur concours professeur des écoles et donc ont quitté la mairie. Et d'ailleurs, un des deux est enseignant à l'école du Parc. Et donc, on est en train de jongler en permanence. On a normalement un peu de ressources dans les agents titulaires de la mairie pour, en cas d'absence, pouvoir suppléer. Mais si vous rajoutez là-dessus les arrêts maladie, c'est très compliqué d'isoler. Donc, jusqu'à ce jour, on a peut-être une idée, depuis un peu plus d'un an, 18 mois, du coût, en tout cas, des TAP, jusqu'à ce jour. Au moins, on a des scolaires. Du coût des TAP, en rapport avec les qu'on a reçus en tant que lançage, pour les mettre en place.
aujourd'hui, moi je ne suis pas en capacité. On vous donnera ces chiffres, on l'attend. Parce que je pense que c'est bien que les conseillers municipaux soient informés. De toute façon, il manque dans cette mairie, et ça n'a jamais existé, une comptabilité analytique précise qui nous permettre non plus d'être dans une comptabilité générale où les charges sont classées par nature, mais par mission. La mission urbanisme, combien elle nous coûte? La mission école, combien elle nous coûte? De façon à pouvoir être dans un pilotage de l'action qui soit différent. Je parle de l'urbanisme parce qu'il nous a été transféré en partie par l'État, et c'est intéressant de savoir quel est le surcoût que ça génère. La difficulté qu'on a là, c'est qu'on mêle des intervenants extérieurs qui sont sur un compte spécifique, des personnels contractuels qui sont sur un second, des titulaires, donc ça, il y a une multiplicité de coûts, et si on veut bien le faire, il ne faut pas simplement compter le travail, il y a aussi des fois des achats, de petits matériels, et la conséquence de tout ça, c'est qu'on peut dire malgré tout qu'on a des temps d'activité périscolaire de grande qualité dans cette ville, et je crois que c'est une bonne chose. On ne remet pas en cause la qualité, c'est juste à titre informatif. On avait déjà fait cette demande. Non, non. Ça sera fait dans. On arrive dans le 28 décembre. J'attendais le résultat final de décembre pour additionner tout ce qui s'est fait en 2015. Et donc, c'est des chiffres que vous aurez. Je pense que de toute façon, on va avoir un débat d'orientation budgétaire l'an prochain. La semaine à venir, moi j'aimerais vraiment que dans le débat on puisse aller sur un débat, voilà, sur des missions. Est-ce qu'on porte fort, quelle est la conséquence, sauf que sur des grandes enveloppes. Du moins, comme ça qu'on travaille dans les entreprises, et à mon avis, comme ça qu'il faut qu'on travaille dans une mairie moderne. Pour en revenir à ce point-là, il y a donc des gens qui sont contre. Oui, monsieur Martinez. Juste une petite précision, parce que vous avez cette vilaine manie, jusqu'en 2008, il y avait de la comptabilité analytique dans cette mairie. On n'a pas trouvé. Bah écoutez, je ne l'ai pas trouvé encore. Je vous trouve des fichiers, je les ai trouvés. Vous les avez pris ou quoi? Vous savez, on peut faire des copies, c'est formidable. Non mais, ce qu'il y a de bien avec vous, M. Martinez, j'ai l'impression des fois que vous êtes l'homme orchestre. Vous êtes à la fois paysagiste, urbaniste, architecte, maintenant comptable. Vraiment. C'est un homme de qualité. C'est un homme de qualité. Quel dommage. Les gens ne se trompent pas. Mais rassurez-vous. On va mettre en place cette comptabilité analytique qui serait, dans mon esprit, en lien avec la comptabilité aussi de trésorerie, qui n'est pas non plus une pratique de la fonction publique. Alors, y a-t-il des oppositions sur ces créations de postes temporaires, des abstentions? Je vous remercie de cette adoption à l'unanimité. Approbation de la tranche conditionnelle du diagnostic AVAP. Demande de subvention relative à cette tranche. Jean-Marc, vous présentez la démarche. En novembre donc 2014, on avait fait un appel d'offres pour le diagnostic AVAP. Il y avait eu trois candidats. Le cabinet Wagon, le cabinet Accessite et le cabinet Thévenins à Liège, pour des montants respectifs de 47 000, 24 000, je ne sais pas si c'était. Et 49 562 euros. Ce diagnostic fait suite au montage donc de l'AVAP. Je vous rappelle, l'AVAP, c'est l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Nous avions une tranche conditionnelle. Cette tranche conditionnelle était de 9 730 euros taxes. Soit 11 637 euros TTC. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mise, cette tranche conditionnelle? Il y a donc ma mise en place de la VAP avec les réunions techniques pour les dispositions réglementaires, la prescription dans les différents secteurs et les prescriptions au niveau du patrimoine architectural, urbain et paysager. Ensuite, nous devrons présenter ça en CRPS, c'est la Commission régionale du patrimoine et des sites. Ensuite, donc, il y aura une enquête publique et ils suivront également le dossier jusqu'à la validation définitive de la VAP. Cette tranche qui est conditionnelle est subventionnable par la DRAC à hauteur de 50%. Voilà.
ça suit son cours. Et les réunions des commissions locales à VAP ont déjà plus ou moins commencé. D'ailleurs, André a participé. Juste un mot, et je te remercie Jean, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je suis à l'heure, je peux être clair, moi aussi, je voulais proposer, ça ne sera pas fait, de rajouter, vu la commission patrimoine du, j'y ai assisté, donc je vais, c'est un événement, alors merci, c'est sans objet de noter, il va l'ordre du jour. Non, fais pas trop André, là. On va croire que tu étais dans une posture du maltraité, jamais invité, j'assiste. C'est-à-dire que tu es mis aux appels d'offres, aux commissions, les gens vont croire que tu es associé aux décisions. Pour en venir sur la VAP, les choses sont très simples. Aujourd'hui, on a toutes les contraintes d'avoir des monuments historiques et aucun avantage quand on est propriétaire en cœur de ville. Avec ce dossier qui aurait dû être fait même avant 2008 et qui malheureusement, les dispositifs existaient déjà, n'ont jamais été faits en dépit des compétences brillantes qu'il y avait à l'époque. Nous allons maintenant permettre à la population, si du moins le projet va jusqu'à son terme, on y travaille activement, lorsqu'ils feront des travaux, de pouvoir bénéficier d'exonérations fiscales. Parce que vivre dans une cité patrimoniale, c'est aujourd'hui une contrainte. Ça doit être aussi certaines contreparties, de façon à nous aider tous ensemble à entretenir notre ville. On n'oublie pas qu'on a 250 logements vacants et qu'on a vraiment une reprise en main de certains édifices dans la ville, et c'est un outil parmi d'autres, en tout cas là où il a été mis en œuvre, c'est un bon complément. Y a-t-il... Oui. Juste pour rajouter à ce que tu dis en termes d'avantages, l'avantage aussi, c'est que les règlements et les prescriptions qui seront faites dans la VAP permettra à tous les propriétaires de connaître le cadre réglementaire des travaux qu'ils pourront entreprendre, notamment principalement sur les extérieurs. Donc, je dirais, avant de commencer, ils savent quel est le cadre réglementaire et ce qui fait que les dossiers sont beaucoup plus faciles à traiter par la suite. Et pour les gens, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils savent bien entendu dès le départ ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Y a-t-il des gens qui votent contre? Des gens qui s'abstiennent? Ben, je vous remercie de soutenir cette action qui prépare l'avenir de notre ville. Validation d'une proposition de zone tampon autour de l'abbaye de Saint-Sevé dans le cadre du bien des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. De nouveau la parole à Jean-Marc. Alors, ce bien culturel, c'est un bien culturel en série. C'est le bien 868 dans lequel donc, vous avez un certain nombre de monuments isolés, un certain nombre d'ensembles de monuments. Et bien entendu, les sections de sentiers. Le ministère de la Culture a confié à un cabinet Bailly Leblanc, une étude sur ce bien, qui est inscrit donc au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'on s'était fait un peu taper sur les doigts au niveau de l'UNESCO, puisque l'animation de ce patrimoine était totalement insuffisante. Le cabinet Bailly a fait un certain nombre de propositions, et notamment pour Saint-Sevé, la proposition qui est faite, c'est donc, comme dans d'autres endroits, c'est la proposition d'une zone tampon. En réalité, cette zone tampon ne nous engage, je dirais, à rien, si ce n'est qu'on la valide en conseil municipal, puisque cette zone tampon correspond au périmètre de protection modifié qui avait été voté en 2007. Voilà. Donc, il fallait passer par cette approbation et cette validation de proposition de zone tampon. Y a-t-il des remarques ou des commentaires là-dessus? Moi, je pense qu'on mène une grosse opération de promotion, de valorisation de notre cité. Hein. L'émission Midi en France, qui, je le rappelle, n'a rien coûté à la commune en droit de diffusion, c'est un enregistrement qui est gratuit. Nous a permis d'avoir 5 heures d'exposition. À ce titre, nous avons aussi à exploiter au mieux le fait que nous sommes, au titre des chemins de Saint-Jacques, un grand site classé à l'UNESCO. Et donc,
y a là un sillon à poursuivre et à bien communiquer. Y a-t-il des... On aurait pu voter avant. Je vais faire une observation. Il n'est pas lié, il sera pas lié à mon vote derrière, je vous le rassure. Bon, simplement, je rebondis sur le sujet. Je me tourne vers Jean-Marc, là, monsieur le maire. Parce que moi, je déambule souvent dans les rues, dans les campagnes, à mon rythme de piéton, et on m'a fait observer, je ne sais pas si je suis le seul, il y a des gens qui ont été choqués pendant la période de Noël, que vous avez fait des efforts d'illumination de la ville avec des guirlandes. C'est la décoration qui a été mise, qui avait, je pense, qui est celle de Roland Bret, qui était très bien dans le cadre champêtre de Sainte-Lalie, mais que je trouve, et je crois que mon sentiment est partagé par d'autres, des personnes que quelquefois n'ont pas accès d'être des farouches opposants à la majorité municipale, cette décoration est choquante dans le cloître. Des bambines, parce que j'entends volontiers cette observation, parce que j'ai participé à la mise en œuvre, au rétablissement de ce cloître, où on nous a demandé de respecter une forme d'austérité, enfin, surtout pas de fleurs, mais il fallait respecter un cadre assez rigoureux. Et là, quand je vois, on voit monter les bambis le long des murs, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre cette décoration, que j'aurais mieux vu mon parc de Toulousette que dans le cloître de la Bastiale. Je le dis sans acrimonie aucune, et je voulais le dire. Et ce que j'ai trouvé aussi, et j'en profite alors pour le dire, dans ce cloître, donc, que l'on mette il y a un puits central, et là ça n'a rien à voir avec Noël, j'ai trouvé choquant, mais là c'est moi, personne n'est venu me... Je trouve, je ne suis pas un spécialiste du patrimoine, que l'on laisse sur ce puits central où on nous a demandé de laisser, quand on l'a aménagé, une grille, comment on appelle ça, couleur rouille, on met une vasque, les fleurs fussent-elles magnifiques, une vasque en plastique pendant tout l'été sur ce cloître, sur ce puits. Donc, c'est des observations que je fais, ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour, mais je rebondis dessus, essayez d'en tenir compte. Merci. Allez, en bête positive, je vais retenir le satisfecit pour l'éclairage de la ville de Noël. Je tiens à en profiter pour dire que ça ne nous a pas coûté une fortune parce que les agents de la commune ont acheté des mètres linéaires d'objets standardisés. C'est eux-mêmes qui ont adapté sur chacun des édifices, notamment la nuit étoilée qui a la rue Lafayette. Ils ont profité avec un investissement en matériel assez modique. On a réussi à avoir un joli rendu. Sur les fleurs de cet été, écoute, c'était des géraniums tombants. Rapidement, on ne voyait plus les pots en plastique. Et je crois que ça... Plus non plus. Ça mais quelque part, ça a plu. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus me voir, me dire, voilà, ça amène un peu de gaieté. C'est très joli. Oui, mais ça a plu ceux qui aimaient les fleurs. Ceux qui aimaient le pluie, j'en doute fort. Mais le goût et les couleurs, c'est très compliqué. Sur Roland Bret, moi je le remercie d'avoir prêté ces édifices. L'idée de départ n'était pas de le mettre dans ce lieu, mais de le mettre plutôt au parc de Toulousette, mais c'est un parc ouvert. Et donc, il avait peur qu'on lui vole. Et donc, on a fait un essai. Les enfants étaient contents. Effectivement, sur un plan patrimonial, je pense qu'on peut en convenir, il y a des choses à améliorer en la matière. Et en fait, c'est peut-être l'expression d'Arnaïf. C'est une expression d'Arnaïf. Et en fait, au milieu, dans une enceinte d'Arsacré, c'est vrai qu'il y a une... Ça peut sonner un petit peu faux. Hein. On partage... Ce qui est sûr, par contre, c'est que les enfants étaient ravis. Donc il faudra qu'on trouve un compromis, quelque chose de bien. Et en tous les cas, les plus de 500 enfants avec leurs parents qui sont venus au festival de dessins se veut animés ont pu derrière enchaîner avec le cloître. Et je tiens à remercier le conseil municipal des jeunes et les services de Mediaset qui ont participé à cette réussite de ce premier festival de dessins animés classiques qui a vraiment amené du monde de partout. Et la majorité, comme l'opposition, était dans les fauteuils. C'était une politique consensuelle. Est-ce qu'on a voté sur les chemins de Saint-Jacques? Non. Non. J'ai voté. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? C'est donc délibéré. À l'unanimité, je vous en remercie. L'adhésion à la cire Compostelle.
c'est l'association de coopération interrégionale Compostelle, c'est en lien avec la délibération précédente. Jean-Marc peut peut-être dire quelque chose. Non, sauf que c'est le référent qui a été nommé par l'État sur le bien culturel pour l'animation du bien culturel de 1868. Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait un manque flagrant d'animation sur ce bien culturel placé à l'UNESCO et qu'on risquait de perdre cette classification UNESCO. C'est pour ça que cette ASIR a été montée. Et bien entendu, elle amène un certain nombre d'avantages que vous avez dans les attendus de la délibération. Et je pense qu'il est intéressant d'y adhérer. Voilà. Je le soumets au vote. S'il y a des gens qui sont contre, des gens qui s'abstiennent, je vous remercie. Je crois pouvoir dire que l'hospice des pèlerins a reçu cette année plus de public que l'année précédente. Et que même si on n'est pas sur la voie du puits qui est la plus fréquentée, nous avons malgré tout, à travers les chemins de Saint-Jacques, un chemin à suivre. Dernier point à l'ordre du jour. Il y en a un avant-dernier, excusez-moi. Les frais de scolarité de Sainte-Thérèse. L'appareil, c'est un annulaire en place, puisque le nombre que nous avions retenu dans la première délibération n'était pas exactement le bon. Et donc, je soumets au vote le versement pour la commune de 561,24 euros par élève pour chacun des 49 élèves de Saint-Sevé accueillis à l'école primaire et maternelle de Sainte-Thérèse. Y a-t-il par rapport à ça des votes contre, des abstentions, des votes pour? Nous ne faisons en la matière qu'appliquer un règlement de 1982 où nous avons corrigé la vision doctrinaire qui était la vôtre en la matière de versement à l'école Sainte-Thérèse en appliquant enfin la loi, ce qui n'était pas appliqué de 2008 à 2014 et encore moins avant 2010. Bien, faites un recours et on verra qui gagne. Je suis très serein. Vous n'appliquiez pas le versement lié aux ATSEM, alors que nous sommes liés depuis 1982 par convention. Donc vous spoliez l'école de Sainte-Thérèse, puisque nous devons de verser le même argent selon que l'enfant soit scolarisé dans une école privée ou dans une école publique, voire même dans une école publique de notre lieu que de notre commune. Et que donc, il n'y a pas dans mon esprit des citoyens de premier ordre, de deuxième ordre, il n'y a pas à faire la question scolaire une question idéologique. Il y a à appliquer un strict respect de la loi sur ce sujet, de façon qu'il y avait eu dans la mandature précédente une adjointe en charge de la question qui avait même démissionné pour marquer le fait qu'il y avait un comportement très dogmatique. Et donc, au moins vous êtes cohérent, vous continuez à voter contre et à vouloir spolier cette école et surtout mépriser les enfants qui y sont accueillis en ne donnant pas le bon versement. Je vous remercie. Nous juste pour information, je peux même vous annoncer que jusqu'à la fin de la mandature, à titre personnel, je voterai contre. Ah, mais je... Quand il y aurait un doute dans votre esprit. Je n'ai jamais eu un doute sur votre ouverture d'esprit en matière. Organisation d'une consultation des élèves. Ça n'enlève rien à tous les propos des électeurs. Ça n'enlève rien à tout ce que je viens de dire. Organisation d'une consultation des électeurs. Sur quel sujet? Sur le sujet de l'évolution de notre communauté des communes. Pour faire simple, et après je passerai la parole pour que le débat s'engage, le législateur a prévu dans une loi qui a été finalisée cet été, à certains territoires, l'obligation de fusionner. C'est le cas dans les communes des Landes, des territoires qui ont moins de 6000 et quelques habitants, dans les communautés de communes. Nous ne sommes pas concernés par cette obligation, puisque nous avons un peu plus de 11 000 habitants dans la communauté des communes du Cap de Gascogne. Et donc, se pose la question aujourd'hui de savoir quelles sont les conséquences
des possibles fusions de communautés communes. Quelles sont les conséquences sur le quotidien de nos concitoyens? Et au fond, quels sont les choix les plus opportuns? Je considère que nous n'avons pas reçu mandat pour statuer sur cette question. Nous avons eu une campagne municipale vive. Je crois que nous avons pu aborder des sujets de fond. Nous avons eu sur la salle de basket un vrai désaccord. Nous avons eu sur le surendettement de la ville et la capacité de désendettement des affrontements. Nous avons eu sur d'autres sujets des débats, certains sur lesquels nous étions au fond assez d'accord. À l'époque, vous étiez pour la médiathèque, nous aussi. C'est dommage qu'entre-temps vous ayez changé d'avis. Sur cette question-là, il n'y a jamais eu de question. Pour la simple et bonne raison que la loi NOTRe n'existait pas et que même l'organisation des services publics dans lesquels nous étions à l'époque était totalement différente. Nous étions dans une région aquitaine avec 5 départements. Nous sommes dorénavant dans une région aquitaine qui va des Pays de la Loire aux Pyrénées jusqu'au Massif central. Et que donc, je crois qu'il est bon aujourd'hui d'associer la population à des choix qui engagent l'avenir comme celui-là. Je crois qu'une consultation est l'occasion de faire connaître les conséquences des choix qui sont proposés. C'est l'occasion d'éclairer, au-delà de certaines tendances, sur les autres possibilités qui peuvent voir le jour. Et effectivement, nous avons reçu, c'est déjà un débat que nous avons eu en communauté commune, une proposition, une intention de mariage de la communauté commune du pays grenadois, qui a évoqué l'intérêt qu'il portait, étant lui-même comme nous épargné par l'obligation de fusionner aujourd'hui, par l'idée de l'intérêt de fusionner ensemble. Et c'est donc pour faire connaître cette proposition, qui est différente de celle que nous soumet la préfète, que nous souhaitons consulter, associer la population. Je crois que c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas sorti des cercles des élus, et c'est dommage. C'est des conséquences en matière d'organisation de services publics, en matière de fiscalité, qui sont très importantes, et je crois qu'il est de notre devoir d'alerter la population sur ces conséquences, de faire preuve de pédagogie. Et au fond, c'est le message, moi, que je retire de la dernière élection. Aujourd'hui, quasiment un électeur sur deux n'est pas allé se déplacer début décembre, et plus d'un tiers a voté pour les extrêmes. C'est qu'il y a au fond une forme de discrédit vis-à-vis des électeurs, parce que la population se dit « on ne nous écoute plus ». Et donc, face à cette demande d'écoute, face à cette demande de considération, et moi je crois à la démocratie, je crois que les réformes constitutionnelles nous ont ouvert la possibilité de mettre en place des consultations, c'est une bonne chose. Et je tiens à ce qu'elle ait lieu à Saint-Sever, et que nous ayons sur ce sujet un vrai débat. Tout ça est encadré par la loi, nous demande un certain délai, notamment de 2 mois, pour que la campagne puisse avoir lieu. Il contrevient au délai qu'a imposé le législateur pour que les communes statuent. C'est pour ça que j'ai fait une demande à la préfète de pouvoir avoir un délai rallongé jusqu'à début mars. Je l'avais déjà averti avant la réunion du conseil communautaire du 17 de notre intention de faire une consultation. Nous avons adressé un courrier la semaine dernière sur les modalités de l'organisation de cette consultation. Et j'ai eu à 17h30 un appel de M. Bouet, qui est un collaborateur de Mme le Préfet, qui me dit « Surtout pas, ne faites pas de consultation ». Alors écoutez, moi, je n'ai pas pour habitude de me laisser imposer des dictats. Je pense que la population a besoin de ce débat. Je pense que tant que je n'ai pas l'écrit de Mme le Préfet, c'est bien écrit dans la délibération, nous maintenons notre volonté ferme de faire cette consultation, et j'espère qu'un vote solennel ce soir en conseil municipal nous permettra d'organiser cette consultation sur ce sujet qui engage l'avenir, parce qu'au fond, nous allons définir de quel est le territoire sur lequel nous allons gérer des compétences aussi importantes que le social, le tourisme, le développement économique et la voirie. Et ça me semble, pour prendre les principales,
une grosse partie de notre quotidien. Et donc, c'est un sujet toujours dans le débat est ouvert. Je peux rappeler certains. Alors, Pierre Duprat, qui a travaillé sur cette question au sein de notre groupe, veut s'exprimer. Je lui passe la parole. Alors, c'est bon. Oui, je voudrais rappeler quand même une chronologie qui nous a amené à cette proposition de ce soir. Le 15 juin 2015, Monsieur Martinez, à la communauté des communes du Cap de Gascogne, vous indiquait qu'il fallait arrêter le projet de la médiathèque, car la loi NOTRe qui allait être votée, mais qu'on n'avait pas encore l'obligation d'appliquer, allait nous obliger à fusionner avec des pays voisins qui étaient pourvus en médiathèque. Il n'y avait pas lieu de faire la médiathèque telle qu'elle était prévue ici, circuler, il n'y a plus rien à voir. Le 21 juillet, Monsieur Cruet nous expose, toujours en conseil communautaire ou en bureau, je ne me rappelle plus, qu'il semblerait que notre communauté de communes soit finalement directement concernée. Monsieur Lafenêtre parle même de délais très très courts pour les décisions à prendre. Il vous suffit de regarder les comptes rendus de la communauté de communes pour vous rendre compte que ce que je vous raconte est vrai, paragraphe 2.1 et 2.2. Le 8 octobre 2015, Madame le Préfet est invitée, à la demande de Monsieur Cruet, à venir à Aigremont-Cube. Alors là, elle nous indique qu'au 31 mars, il faudra avoir décidé et que le projet ne va pas être arrêté pour le 16 juin 2016 pour une adoption définitive au 31-12, un projet de nouvelle organisation territoriale. Et à ce stade, d'ailleurs, elle semble avoir une vision très arrêtée qui manque un peu de cohérence et de clarté, parce que vous regarderez toujours la délibération, le compte-rendu de la communauté des communes, où il est écrit « La Comcom du Cap de Gascogne dispose d'une continuité territoriale avec la communauté des communes du Tursan », qui, à mon sens, n'est pas totalement vrai. Et c'est même faux, oui. Monsieur Martinez nous rappelle, lors du conseil communautaire de ce même conseil, que Jaune a voté, les élus ont demandé à fusionner avec nous. Il faut savoir d'ailleurs qu'à ce stade, nous n'avons toujours pas à ce jour, oui, nous n'avons toujours pas cette fameuse délibération, ni cette lettre qui fait état de cette demande communautaire de jour. Mais bon. Mais il rappelle quand même que notre PCI n'est à ce jour pas obligé de fusionner, ce que confirme d'ailleurs Madame la Préfète. Alors, vous pensez bien que lors de ce conseil communautaire, où nous avons été tous mis un peu devant le fait accompli, on est un petit peu tombé des nues, où un préfet nous dit « vous n'êtes pas obligé de fusionner », mais enfin bon, on a pensé, on a réfléchi pour vous, d'ailleurs M. Martinez ici présent, nous allons remercier Mme la préfète pour le travail qu'ils avaient fait ensemble, je ne sais pas si c'est à la préfecture ou au conseil départemental. Mais ils avaient donc défini à eux deux le territoire qui allait devenir le nôtre. Ces méthodes, quand même, sont assez curieuses et quelques-uns ont eu de nouvelles propositions. Donc, M. le maire pensait qu'il fallait regarder les bassins de vie. Moi, j'étais un petit peu estomaquée de cette façon de faire. Et on nous a dit, de toute façon, écoutez, vous pouvez faire des propositions, mais quelle que soit la proposition que vous feriez, c'est moi qui déciderai. Autrement dit, vous pouvez avoir une position différente, je déciderai, même si ça ne vous convient pas. Bon, très bien. On entend aussi, au cours de ce conseil communautaire, quelqu'un dire, mais depuis le temps qu'on vous dit qu'il faut s'unir, vous auriez dû penser à autre chose, à proposer quelque chose. Très bien, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À ce moment-là, il y a plusieurs élus, dont Jean-Marc, qui est à mes côtés. On s'est réunis le soir et on a regardé les bassins de vie. Qu'est-ce qui était important? Comment vivaient les gens? Quels étaient ce qu'ils avaient en commun?
Et on s'est, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Grenade et que nous sommes allés rencontrer des gens de Grenade pour leur demander s'ils ne voulaient pas venir avec nous. Grenade avait pensé à venir avec nous, mais politiquement, il semblerait que ce n'était pas la bonne solution. Mais les élus de Grenade ont dit, ben oui, pourquoi pas se marier avec ces élus, bien que eux non plus n'aient pas l'obligation de le faire. Ils ont donc envoyé une lettre au président de la communauté des communes, enfin à la préfète, avec copie au président de la communauté des communes, et à ce moment-là, nous leur avions demandé d'envoyer la copie à la ville-centre, c'est-à-dire à M. le maire, M. Pouzin, qui est aussi conseiller régional. Pourquoi avons-nous demandé à ce qu'il aille à la ville-centre? Puisque, comme le conseiller départemental, qui est aussi dans ce conseil, n'a pas eu l'obligeance de nous donner copie de ce que les élus de Jaune avaient décidé, donc pour nous étions devenus un petit peu méfiants. Alors, cette lettre est donc arrivée à M. le Président de la Communauté des Communes, et je me suis dit, il faudrait peut-être, et à Saint-Sever, il faudrait quand même que tout le monde soit informé, parce que nous, les coins douces, on n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Alors, j'ai envoyé le 15 décembre un mail à M. Pruet que je vous lis. M. le Président, suite au courrier de M. Dufour, que M. Dufour vous a adressé en qualité de président de la communauté des communes du peuple de Gascogne, avec copie à M. Tauzel. Non, je l'envoie à M. Pruet. Suite au courrier que M. Dufour vous a adressé en qualité de président de la communauté des communes de Grenade, avec copie à M. Tauzel, conseiller régional d'Aquitaine, faisant référence à une proposition de rapprochement entre les communautés de communes du Cap de Gascogne et de Grenade, je vous saurais gré de bien vouloir partager et étudier cette proposition avec tous les maires de la communauté des communes afin d'émettre le moindre avis sur le rapprochement avec Jaune, avant d'émettre le moindre avis avec le rapprochement avec Jaune et Agenois. En effet, par lettre du 26 novembre dernier, Madame le Préfet nous a invité à réfléchir et à faire des propositions dans un délai de 2 mois. C'est pourquoi il me semble juste et nécessaire d'étudier la proposition de M. Dufour avec tous les délégués communautaires avant de prendre toute décision hâtive puisque nous disposons encore d'un délai raisonnable. Comptant sur votre esprit communautaire pour diffuser dans les communes concernées le courrier de M. Dufour, je vous prie, etc., etc. Le lendemain, fort de cette demande, M. Lacave envoyait donc les copies des courriers à tous les membres communautaires avant le conseil que nous avions à Fargue. À Fargue, ce fut effectivement un tollé général parce que ça, ce n'était pas prévu dans les plans initiaux. Donc on nous a demandé de voter la première proposition qui était de nous marier avec Agenmaux et Jaune. Ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que Agenmaux a fait aussi des courriers, le président de la communauté des communes d'Agenmaux a fait des courriers, à tous les délégués communautaires bien avant, en s'étonnant de cette précipitation. Mais ça, personne ne nous l'a donné. Par contre, nous l'avons ici, et on peut la donner aux médias pour les diffuser s'ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'on cherche exactement dans cette réforme? Est-ce qu'on veut agrandir des territoires? Pourquoi faire? Pour faire des économies? Est-ce qu'on va supprimer les départements comme c'était prévu au départ? Avant, on avait un délégué départemental, maintenant on en a deux. Drôle d'économie. Est-ce qu'on veut le bien-être des gens? Est-ce qu'on veut créer de l'emploi, dynamiser les territoires? Alors, de grâce, laissons les habitants choisir leur destin et leur choix sera le nôtre. Mais avant, il serait bon qu'on les éclaire sur toutes les conséquences fiscales, sociales et économiques
Et cela ne me semble pas la préoccupation ni de notre délégué départemental, ni de la CANCOM. En espérant que ce gouvernement, qui semble être des plus totalitaires, nous y autorisera au travers de Madame le Préfet. Mais voilà, tout ceci mérite, je pense, un débat. Nos habitants méritent mieux que ça. Et je pense que le choix, il leur appartient à eux. Très bien. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur ce sujet avant que nous fassions au vote? Monsieur Martinez. Vous avez une manière de refaire l'histoire, c'est assez impressionnant. Mais bon, je reconnais le talent pour proférer des inepties, des contre-vérités. Évidemment, parce que les hommes, c'est toujours des inepties. Avec une assurance remarquable. Bon, alors je ne vais pas revenir sur les propos polémiques. C'est agaçant parce que, vous savez, vous m'avez fait douter quand même lorsque vous dites à l'envi que j'aurais dit à la préfète, donc lors de cette réunion qui était donc à Irmoncu, que je me félicitais du travail que nous avions réalisé. Alors, je n'ai pas pour habitude de le faire, je salue M. Martin parce que j'ai revu sa vidéo. Effectivement, je ne le dis pas. Tout comme elle ne dit jamais que j'ai travaillé avec elle et que la décision a été faite au conseil départemental comme vous le prétendez. Alors, je reviens encore une fois sur la genèse de ce dossier. Je vous rappelle que la communauté de communes du Tursan est présidée par M. Dutoya, qui, à ma connaissance, était, pour votre information, le remplaçant de M. Tauzin, maire de Saint-Sébé, aux élections départementales. Donc, on ne peut pas imaginer à ce instant qu'entre nous, politiquement, il y ait eu une collusion ou un arrangement entre amis, comme vous souhaitez laisser transparaître. Monsieur le président du Tursan, lui, a pris à bras le corps le problème, savait que la loi NOTRe allait nécessairement imposer la fusion de sa Comcom. Je vous l'ai répété en conseil communautaire, je vous le redis ce soir, pour ceux qui ne le sauraient pas, le président de la communauté de communes du Tursan a réuni l'ensemble de ses maires, les maires, chacun dans leurs conseils municipaux, ont pris une position, et la position a été de dire « nous devons fusionner, quitte à fusionner, madame le préfet, nous souhaitons que ce soit avec Agecmo, mais également le Cap de Gascogne. » Tout a été fait dans le respect de la réglementation imposée par la loi NOTRe. Je vous ai rappelé la semaine dernière, lorsque nous étions à Fargue, qu'on peut le déplorer, le regretter, mais c'est la réalité. Vous nous faites croire qu'il y aurait des arrangements entre amis, je ne vais pas refaire le match ici, vous imaginez ce que vous voulez, la réalité est celle-là. Ces informations, nous les avons maintenant depuis des mois. On a aujourd'hui une proposition qui va être soumise au référendum, qui n'a rien à voir avec les débats qui ont pu être tenus pendant 10 semaines. On a toujours évoqué la proposition de Madame le Préfet, qui est venue donc à Irmoncube. Dès le lendemain, le président de la communauté de communes nous a envoyé par mail, et vous en mettez destinataire, je vais vérifier tous les éléments que nous avions à connaître, en matière de fiscalité, d'intégration, de coefficient d'intégration fiscale, de potentiel fiscal, bref, tout ce que vous mettez dans vos considérants comme étant des informations que vous n'avez pas eues. Alors, ou vous mentez, ou vous ne travaillez pas. C'est au choix, je vous laisse libre de la réponse. Ces informations, nous les avons eues. Par contre, arrêtez de faire l'histoire à l'envers. Vous avez pris l'initiative avec M. Fabier, Toto et Lolo, de partir, missionner par qui, on ne sait pas qui, d'aller parler au nom des élus communautaires, au nom des maires de la communauté de communes du Cap de Gascogne, auprès de M. Dufour, maire de Grenade, président de la communauté de communes du pays grenadois, en allant expliquer que les élus du conseil communautaire du Cap de Gascogne étaient pour une fusion avec Grenade, et rien que Grenade. Vous mettiez en avant le fait que Grenade, en réponse, avait donné un accord formel à la matière. Ce qui est d'ailleurs corroboré par un des considérants du dossier de ce soir, où il est marqué que l'Assemblée délibérante de la communauté de communes du pays grenadois s'est prononcée pour cette proposition. J'ai appelé la communauté de communes du pays grenadois cet après-midi. J'ai demandé à Mme Tachon, la DGS qui n'était pas là, j'ai demandé le numéro de téléphone à M. le Président, qui devait me rappeler avant 18h. J'ai demandé, bien sûr, naïvement, à ce qu'on m'envoie la délibération qui, formellement, puisque vous l'écrivez, considérant que l'Assemblée délibérante de la Comcom du pays grenadois a exprimé le souhait de fusionner avec la Comcom du Cap de Gascogne.
J'ai donc demandé cette délibération. J'ai copie des derniers conseils communautaires du pays grenadois et j'ai l'assurance de l'adjointe de la TGS qu'il n'y a jamais eu de débat en la matière concernant cette proposition, que l'Assemblée délibérante du pays grenadois ne s'est jamais prononcée pour ou contre cette proposition. Donc, et là, je fais une petite digression, rien que ce considérant, en tâche d'illégalité, votre démarche de référendum. C'est un mensonge éhonté. Mais bon, venant de vous, on est capable de tout. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Aujourd'hui, la communauté de communes du pays grenadois n'a pas pris de position officielle pour ou contre une fusion avec nous. Maintenant, puisqu'on n'en est pas un paradoxe près, je vous rappelle que vous nous proposez ce soir au conseil municipal une délibération pour lancer un référendum, pour proposer à la population Saint-Séverine un choix très simple. Êtes-vous pour ou contre une fusion entre le Cap de Gascogne et le pays grenadois? C'est bien ça la question. Oui. La semaine dernière, en conseil communautaire, 8 d'entre vous, dont monsieur le maire, avaient voté une motion à l'unanimité pour dire que vous souhaitiez une délibération du conseil communautaire du pays grenadois, qui, je le répète, à ce jour n'existe pas et n'existera pas, pour les accepter dans le cadre du schéma. Ce qui signifie que vous avez voté pour que Grenade prenne une délibération pour intégrer Cap de Gascogne, Agetmo et le Tursan. C'est ce que vous avez voté et vous proposez autre chose à la population. Et je termine, monsieur le maire, excusez-moi, c'est un dossier important, je demande un peu de temps pour expliquer. Le comble, j'en arrive même à me poser la question si vous lisez vos documents. L'article 1er, l'objet de l'organisation du scrutin. Les électeurs de la commune de Saint-Sever sont convoqués le samedi 5 mars pour émettre un avis sur la proposition de madame le préfet de fusionner la Comcom du Cap de Gascogne avec celle d'Agetmo du Cursan. Quand on lit l'article 1er, il n'y a aucun problème. L'objet de la consultation est on ne peut plus normal. La question posée à la population, êtes-vous favorable à la fusion de la Comcom du Cap de Gascogne avec la seule communauté de communes du pays grenadois? Vous ne lisez pas vos dossiers, vous faites n'importe quoi. J'aurais une question simple, monsieur Martinez, parce que c'était magnifique, une envolée splendide. Vous êtes pour ou contre qu'on associe la population à ce choix? C'est l'objet de la délibération de ce soir. La question n'est pas la bonne. Ah. La question n'est pas la bonne. Par contre, mais c'est le principe, associer la population au référendum. Monsieur Tauzin. Non, mais qui va donner? Mais une question simple. Le référendum. Parce que si vous ne votez pas pour, ça veut dire que vous êtes contre le référendum. Mais le problème, c'est que nous expliquerons à la population de l'inefficacité de ce référendum. Ah. Je peux argumenter, s'il vous plaît? Vous savez tout comme moi que l'avis de chacune des communes concernées par ce schéma doit être rendu avant le 31 janvier. Vous le savez. Raison pour laquelle j'ai demandé, et c'est dans les considérants, un report au 10 mars, ce qui n'entrave pas la possibilité d'adopter le schéma départemental au 31 mars. Et donc, je ne vois pas en quoi la préfète pourrait nous refuser ce délai. Il faut pour une consultation un délai légal de 2 mois. Monsieur, si j'avais pu faire une consultation dans un délai raccourci, je l'aurais fait. C'est pour ça que dans les considérants, il y a la demande de Mme le préfet de nous autoriser d'attendre. Parce que je crois que sur cette décision, nous avons besoin d'associer la population. Et Monsieur Tauzin, et si nous pouvions tomber d'accord là-dessus, j'en serais ravi. Ce n'est pas la bonne question. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte? Mais franchement, ça fait peur, très sincèrement. Vous me faites peur. La question posée n'a rien à voir avec l'article 1, l'objet. Je prends les gens à témoin, je donnerai ça à la presse. Je n'hésiterai pas même à le diffuser sur les réseaux sociaux, parce que c'est grave. La question n'a rien à voir avec l'article 1er, l'objet de la consultation. Au contraire, ça a tout à fait à voir. Monsieur Tauzin, lisez le texte. Je vais vous répondre, parce que je tiens à faire porter à la connaissance de tous un point que certains cherchent à nier, et vous en faites partie, à savoir que la communauté des communes du pays grenadois, en la personne de Pierre Dufour, son président, suite à une réunion de travail d'une journée à laquelle a participé l'ensemble du conseil communautaire, les membres du conseil communautaire, a adressé à Madame le préfet le 11 décembre 2015 une lettre que je vais vous lire. Madame le préfet, lors de la CDCI du 2 octobre 2015, vous avez commenté abondamment la loi NOTRe
proposer des fusions de communautés et communes. Par courrier du 26 novembre 2015, vous nous invitez à faire des propositions objectives et pertinentes. Vous n'êtes pas sans savoir que les communautés de communes du pays grenadois et du Cap de Gascogne, traversées par le Doubs, reliées par plusieurs routes départementales, ont déjà une multitude de services en commun, perception, scolaire, associations sportives, développement économique, qui rapprochent les populations depuis plusieurs années. Ces deux collectivités méritent de nouer leur destin. Je tiens à porter à votre connaissance que les élus des deux communautés communes envisagent un rapprochement. Vous avez oublié une phrase, monsieur Tauzin. Vous pouvez la lire, s'il vous plaît. Vous avez sauté une phrase. Excusez-moi. Plusieurs élus de ces territoires se sont entretenus et ont manifesté leur accord sur bon nombre de sujets. Je tiens à porter à votre connaissance. Je ne vous coupe pas, monsieur. Je tiens à porter à votre connaissance que les élus des deux communautés communes envisagent un rapprochement. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir étudier et de faciliter cette proposition. Nous sommes prêts à vous rencontrer afin de détailler cette perspective. Veuillez agréer, Madame le Préfet, l'expression de mes respectueuses salutations. Nous avons aujourd'hui une proposition qui voudrait nous fusionner avec Agedmo et avec le Tursan. Moi, je tiens à porter la connaissance de l'ensemble des Saint-Séverins que là où nous avons aujourd'hui un taux sur le foncier bâti de 0,09%, qui vient s'ajouter à celui de la commune, par la communauté des communes, à Agedmo, ce taux est de 4,32%. Et que donc une moyenne nous ferait monter de 0,09 à 3,63%. 3,5 points de fiscalité en plus sur le foncier bâti. Sur le foncier non bâti, le taux de Agedmo est de 14,57%. Là où nous sommes à 2,99. Il me semble opportun d'indiquer aujourd'hui que la fiscalité pour les propriétaires augmentera si nous fusionnons avec Agedmo et le Tursan. Les perspectives de rapprochement divergent. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, si nous fusionnons, quels vont être les engagements pris sur les enjeux forts de notre territoire ? La zone industrielle de Perret, on a besoin d'un accès vers la route de Kona. Qu'en est-il ? Sera-t-elle une priorité de ce territoire ? La médiathèque que vous avez bloquée, nous en serons. La piscine pour laquelle nous avons fait une proposition que la communauté commune récupère l'équipement. Pouvons-nous avoir des garanties sur cet investissement ? Moi, je crois que nous avons des projets de compétences communautaires sur notre commune qui sont prioritaires et sur lesquels j'aimerais que s'engage le vrai débat. Or, aujourd'hui, on cache aux gens les vrais enjeux. Où en serons-nous sur les compétences vraies ? Où en serons-nous sur le social ? Aujourd'hui, nous avons un taux de service qui est largement supérieur aux deux autres territoires. Lorsqu'on compare le pays grenadois et nous-mêmes, on s'aperçoit que nous avons, sur le foncier bâti, ils sont à 0%, le foncier non bâti à 1,98, là où nous sommes à 2,99, que sur la taxe d'habitation, ils sont à 7,83, là où nous sommes à 8,91. Bref, que la communauté des communes du pays grenadois pratique un taux de fiscalité inférieur au nôtre. Que cela ne les empêche pas pour autant d'avoir une CAFNET, la communauté des communes, de 263 € par habitant, là où elle est de 90 chez nous. Nous avons de vraies similitudes sur plein de sujets tels que les a évoqués le pays grenadois. C'est pour ça que je pose la question aux électeurs Saint-Séverins. Il y a une contre-proposition qui existe. L'intérêt, l'opportunité, la destinée de nos concitoyens doit nous amener à fusionner sur la base du volontariat, en se donnant le temps de bien faire les choses, avec le pays grenadois, plutôt qu'aller à la va-vite, tel que voudrait nous l'imposer la préfète, avec Agedmo et avec le Tursan avec lequel nous n'avons aucune frontière, je tiens à le rappeler. Et donc, c'est ça les bases du débat. Et moi, je tiens à ce qu'il y ait 2 mois pendant lesquels on pourra faire campagne, où vous direz tout le bien que vous pensez de la fusion avec le Tursan et avec Agedmo, dont vous êtes le promoteur. Nous nous dirons que le contre-projet que nous soutenons, effectivement de fusionner le Grenadois et la communauté des communes, territoire aux abords de l'agglomération du Marsan, qui subissent la dépendance de l'agglomération du Marsan, qui a des incidences en matière de services, en matière de bassin de vie, et que je pense qu'il y a là une véritable opportunité. Et au fond,
si une large majorité des Saint-Séverins venait à dire « Nous voulons aller avec le Pays-Grenadois », ça nous mettrait en position de force pour dire à la préfète « Ne nous imposez pas une fusion qui est contraire à la volonté du peuple, écoutons le peuple et laissons le temps venir à notre commune ». C'est ça le sens du sujet, c'est ça la grandeur de la politique, faire preuve de pédagogie, mettre les concitoyens face à leurs responsabilités et leur donner la parole. Est-ce que je peux lire la lettre qu'avait fait non Est-ce que je peux lire la lettre qu'avait fait M. Lancement? La loi NOTRe à tout le monde et à tous les délégués communautaires d'Agenmont et à la préfète aussi. Donc, et à la préfète aussi. Mais à tous les délégués communautaires. Bon. Alors, la loi NOTRe, promulguée le 7 août dernier, impose une réorganisation obligatoire des EPCI au-dessous d'un seuil minimal de 15 000 habitants. Pour tenir compte du caractère rural de certains territoires, la loi a prévu des adaptations à ce seuil fixé à 6 165 habitants pour le département des Landes. La communauté de communes Agenmont Commune Unie, forte de ses 10 081 habitants, n'est donc pas concernée par cette loi. Ce qui n'est pas le cas de nos voisins directs de la communauté de communes du Tursan, qui avec leurs 4 850 habitants, se voit dans l'obligation de fusionner avec une ou plusieurs intercommunalités. Il convient de noter que cette fusion doit obéir à des exigences en matière de cohérence des périmètres et des bassins de vie. Le 2 octobre dernier, Madame le Préfet a organisé une première réunion de la CDCI à laquelle tous les présidents des EPCI landais étaient conviés. À cette occasion, elle a proposé un pré-projet de fusion entre les communautés de communes du Tursan, de Agenmont Commune Unie ou du Cap de Gascogne et présenté le calendrier de mise en œuvre de cette réforme qui devrait aboutir par l'adoption d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale au 31 mars 2016 et par la prise des arrêtés de périmètre au 15 juin 2016 au plus tard, soit 9 mois à peine de gestation pour redessiner la carte intercommunale des Landes. Sans même avoir été concertée, nous avons donc eu la surprise de nous voir proposer d'une part le principe même d'une fusion alors que la loi nous en exonère, et d'autre part l'étude d'un seul scénario de fusion dont la pertinence est discutable. En effet, puisque la loi impose une cohérence territoriale avec le bassin de vie comme critère, nous pouvons nous demander si la communauté de communes du Tursan, point de départ de cette fusion, n'a pas autant de liens avec la communauté de communes d'Air-sur-la-Doue qu'elle n'en a avec Air-Commune-Unie. Cette première question étant posée, que penser alors de la cohérence de la fusion avec la communauté de communes du Cap de Gascogne, avec qui le Tursan n'a ni frontières communes ni bassin de vie partagé? C'est donc ce scénario déjà écrit, dirigé et orienté, ce manque de concertation et la précipitation pour mettre en œuvre cette réforme que j'ai dénoncé lors de cette réunion et qui a été relayé par la presse. J'ai également demandé que soient mises à l'étude les 4 hypothèses de fusion suivantes. Tursan-HCU, Tursan-HCU-Air-sur-la-Doue, Tursan-HCU-Cap-de-Gascogne, Tursan-HCU-Air-sur-la-Doue-Cap-de-Gascogne. Quelques jours plus tard, j'ai été informée qu'une deuxième réunion de travail aurait lieu le 12 octobre. Chaque PCI potentiellement concerné par la réforme de la loi NOTRe devant être représenté par son président, un vice-président et un technicien. Il convient de préciser que dans la perspective de cette rencontre, les services de l'État ont préparé des documents de travail, mais portant uniquement sur l'hypothèse de fusion Tursan-HCU-Cap-de-Gascogne, ignorant ouvertement ma demande et renforçant ma suspicion quant à cette proposition. J'ai donc au préalable réuni en urgence le bureau de Agenmont Commune Unie pour recueillir leur avis sur cette affaire. À l'exception d'un des membres, tous se sont accordés à dénoncer une absence d'information et de concertation en la matière et ont déploré que le représentant de l'État
ne soit pas venu à la rencontre des élus de HCU, comme cela a été le cas dans d'autres collectivités. Le bureau a également exigé de pouvoir travailler sur plusieurs scénarios de fusion, comme je l'avais demandé lors de la réunion du 2 octobre. C'est donc dans cet esprit que je me suis rendue à la réunion de travail avec Mme Requena, vice-présidente de HCU, et Mme Aurélie Garbaille, DGS. J'ai réitéré notre volonté d'étudier les quatre scénarios de fusion, afin de pouvoir comparer et appréhender les conséquences en termes de fiscalité et d'harmonisation des compétences. J'ai de nouveau pointé du doigt ce calendrier précipité, quasi irréaliste, et qui ne permettra pas de mettre en œuvre la CDSCI, lourde conséquence pour les finances des collectivités dans des conditions inacceptables. Car à ne pas vouloir donner du temps aux projets les plus complexes, la conséquence la plus raisonnable sera de devoir y renoncer. J'ai enfin demandé à Mme le Préfet en personne de venir à la rencontre des élus communautaires. Elle m'a répondu positivement et devrait faire le déplacement au siège de notre communauté dans les jours à venir. Voilà ce qu'il disait. Et il a écrit à Mme le Préfet. C'est daté de quand? Ça, c'est daté du 10 octobre, voyez-vous. Et personne n'était au courant. Du 20 octobre, personne n'était au courant. Le 18 décembre, là, il a envoyé un autre courrier à Mme le Préfet. Madame le Préfet, j'ai bien reçu le 28 novembre dernier votre courrier par lequel vous me communiquez le projet, le schéma départemental de coopération intercommunale des Landes. Conformément à la loi NOTRe, la communauté de communes que je préside a 2 mois pour donner son avis sur le projet, soit jusqu'au 27 janvier 2016. Pour justifier la fusion des communautés de communes du Tursan, d'Agenmont et du Cap de Gascogne, vous indiquez dans votre courrier que ce projet a été réalisé, écoutez bien, après avoir engagé une phase de concertation la plus large possible avec les élus locaux, ce que je conteste, comme je vous l'ai indiqué lors des CDCI des 2 octobre et 13 novembre dernier. D'autre part, vous indiquez que la fusion des communautés de communes du Tursan, d'Agenmont Communigny et du Cap de Gascogne contribuera à désenclaver le territoire du Tursan. Je ne partage pas cette vision des choses car la communauté des communes du Tursan, loin d'être enclavée, partage un véritable bassin de vie avec d'un côté Agenmont pour la partie de Saint-Mandé et de l'autre côté avec Aire sur la Loue pour la partie de Jaune. Ces deux territoires forment d'ailleurs le territoire du Tursan, bordé au nord par les Petites Landes, à l'ouest par la Chalosse, au sud par le Béarn et à l'est par l'Armagnac. Oui, mais moquez-vous, évidemment. Les élus de la communauté des communes d'Aire sur la Loue, contrairement à ce qu'affirme son président, ne sont pas opposés à une fusion avec la communauté de communes de Tursan. Beaucoup d'entre eux, avec en tête le maire d'Aire sur la Loue, reconnaissent la cohérence spatiale et culturelle d'un tel rapprochement au regard des bassins de vie. Cela a d'ailleurs été le sens de mon propos lors de la réunion de la CDCI du 13 novembre dernier. À ce sujet, je déplore de ne pas encore avoir reçu le procès-verbal rectifié de la CDCI du 2 octobre ainsi que celui du 13 novembre, dans lesquels doivent figurer les différentes interventions et surtout la mienne. En effet, lors des 2 CDCI évoqués ci-dessus, avec l'accord du bureau de la communauté des communes Agenmont Communes Unies, j'ai demandé que soient mis à l'étude les 4 hypothèses de fusion suivantes, afin de pouvoir comparer et appréhender les conséquences en termes de fiscalité et d'harmonisation des compétences. Tursan-HCU, Tursan-HCU Aire sur la Loue, Tursan-HCU Cap de Gascogne, Tursan-HCU Aire sur la Loue, Cap de Gascogne. Ces demandes formulées à de nombreuses reprises n'ont pas été entendues, je le déplore. Vous conviendrez donc, en l'absence de ces éléments, il m'est impossible de soumettre ce projet en l'état à mon conseil communautaire. Afin que les élus d'Agenmont Communes, mais également ceux des conseils municipaux qui se donnent un avis éclairé sur le projet de CDCI dans les délais impartis, je vous serai gré de bien vouloir me faire parvenir les éléments sur les différents scénarios de fusion énumérés ci-dessus. Et alors, ça a été envoyé à Propi, à messieurs les délégués de l'HCU, du Tursan, du Cap de Gascogne, le maire d'Aire sur la Loue, le président de la CDCI et les assistants de la CDCI. Bien, nous, si monsieur le maire d'Agenmont ne l'avait pas donné, nous n'en aurions pas eu Propi. Moi, je crois que donc, ce sujet est en train de. La manière dont s'y prend l'État pour organiser les nouvelles communautés de communes crispe partout.
territoire de Pissos, 5 communes sur 6 demandent à être rattachées avec le canton de Parentis-Piscarros. Madame le préfet était fusionnée avec la Haute-Lande. À Montfort, je cite des territoires d'une autre sensibilité politique que la mienne. Nous avons aussi un vote quasi unanime pour dire qu'il ne refuse le schéma de Madame le préfet. Je crois que c'est une question aussi importante face au fait que nous avons deux possibilités identifiées. Nous devons associer la population. Et moi, je pense que ce débat sera simple, sera nécessaire, et je serai ravi si l'opposition avait le courage d'y participer. Et donc, je pose solennellement la question. Nous allons passer au vote. Ah ben pour moi, le débat, c'est est-ce que vous ou non, on organise une consultation. Donc après, le débat il sera lancé. On aura jusqu'à la consultation pour le faire vivre. On n'a toujours pas la bonne question sur le document. Vous avez des considérants qui, manifestement, ne sont pas tout à fait adéquats et ne reflètent pas la réalité. Autre question aussi. Il est écrit dans un des considérants, c'est risible parce que franchement, je pense vraiment que vous ne les avez pas. Considérant que ces informations n'ont pas été diffusées comme elles auraient pu l'être par l'exécutif de la communauté de communes du Cap de Gascogne. Vous regrettez donc que ça n'a pas été diffusé. Vous faites partie de l'exécutif, je vous rappelle, vous êtes vice-président rémunéré pour ça. Donc là, vous remettez en cause votre propre fonctionnement en tant que vice-président, vous êtes d'accord? Ah mais je vous confirme que au dernier conseil communautaire, alors que vous trouviez que tout allait bien, j'ai demandé un report de la délibération sur ce sujet. Avec le succès que l'on sait. Vous avez voté contre ce que vous considériez, que vous aviez tous les éléments. Je considère que nous n'avions pas tous les éléments pour prendre la décision. Et je remarque d'ailleurs que nos collègues d'AGEDMO, au même moment, faisaient le même diagnostic que nous. Et donc, je pense que nous avions besoin de plus de temps. Et nous regrettons que la préfecture n'ait pas voulu, jusqu'à présent, étudier les conséquences de tous les schémas qui se proposaient. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas eu d'information concernant la proposition de la préfète. Nous avons un mail, vous êtes en copie, je le suis, Marjorie Contousselet, et cet autre délégué communautaire de votre majorité, où vous avez une note de cadrage, la présentation, la note de procédure, la simulation concernant les compétences en cas de fusion, la problématique liée à l'urbanisme, parce que ça a été évoqué, une synthèse des évolutions envisageables de la DGF, ainsi que des dotations de l'État, les informations sur la future composition du Conseil communautaire. Mais on veut le même analyse sur le schéma avec Grenade. Laissez-moi terminer. C'est ça que nous avons demandé. Laissez-moi terminer. Pour qu'on puisse comparer. Je pense que la comparaison orientera largement la réponse. Monsieur Tauzin, c'était il y a près de 3 mois. Depuis 3 mois, qu'avez-vous fait officiellement pour demander autre chose? Moi, ce que je vois... Je vous parle du 11 décembre. Monsieur, de vous parlez de quoi, là? Monsieur Tauzin, ça, c'est le 9 octobre que ces documents sont disponibles. Nous avons eu... Depuis le 9 octobre, que le conseil municipal a délibéré pour dénoncer la procédure. Vous êtes fâché avec les chiffres. Ça fait 3 mois, le 9 octobre. Ça va faire 3 mois, j'ai pas dit 3 mois. Ça fait 3 mois, le 9 octobre. Ça fera 3 mois. Monsieur Tauzin, avant... Ça fait 3 mois. Vous aviez une capacité de remboursement en 3 ans, vous. Excusez-moi, on perd des pieds là, excusez-moi, on peut revenir sur le sujet, c'est important parce que vous êtes vraiment fâché à l'échelle. Vous avez l'art et la manière de noyer le poisson. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire sur ce dossier parce que vous savez que là vous êtes en difficulté. Monsieur Tauzin. Pas du tout en difficulté. C'est madame le préfet que j'ai rencontré suite à la réunion du 13 novembre, parce qu'on va être très précis, il y a eu deux réunions, une le 2 octobre, une réunion de travail intermédiaire le 9 et le 12, où on a demandé, et Serge Lansamand a aussi demandé, que puisse être étudié dans les mêmes conditions tous les autres schémas qui existaient. Et notamment un schéma R jaune AGEDMO. De façon à ce que tous les tableaux que nous avons reçus, puissent également être faits sur les autres schémas de fusion. Pour qu'on puisse être en capacité de comparer le projet que nous proposait Madame le Préfet avec les autres possibilités. Je regrette que Madame le Préfet et refuser pour le moment de faire les mêmes tableaux sur les autres propositions. Et c'est ce que nous regrettons. Et Madame le Préfet, à qui j'ai exprimé ce vif ressentiment, m'a dit le 13, nous l'étudierons le jour où il y aura d'autres propositions. Entre-temps, effectivement, des élus de Saint-Sauveur ont rencontré des élus de Pays-Grenadois. Et depuis le 11 décembre, c'est-à-dire il y a exactement 16 jours, nous sommes
en possession d'une demande écrite à Madame le Préfet d'une proposition de fusion Grenade avec le Cap de Gascogne. Et j'aimerais que Madame le Préfet nous fasse la même analyse sur ce territoire-là. Voilà. Et donc nous allons lancer une consultation pour que les Saint-Séverins puissent être informés des conséquences des choix en la matière. Allez-y, monsieur. Donc le 9 octobre, vous avez tous les éléments, vous le confirmez, c'est-à-dire qu'un des considérants est faux concernant la délibération, j'en prends acte. Deuxième chose, parce que je n'ai toujours pas. Non, mais écoutez. Mais monsieur. Je vous dis que je n'ai pas les mêmes tableaux sur les autres schémas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Mais pourquoi? Entre le 9 octobre et le 13 novembre, vous avez fait quoi, monsieur Thonin? Le 13 décembre, vous avez fait quoi? Vous voulez que je vous dise ce que vous avez fait? Vous avez viré comme une girouette. Le PV du 8 octobre 2015, je ne relis pas les propos en conseil communautaire sur ce que vous proposez comme fusion. Le PV de la CDCI du 2 octobre, c'est la page 8. Je mettrai à disposition, à qui le souhaite, ce que vous proposez. Le 13 novembre, là aussi, vous changez encore d'avis. Le 19 novembre, pour terminer, c'est encore une fois la même chose en bureau communautaire. Et le sommet, le 17 décembre, où vous votez une motion pour fusionner Agedmo, Tursan, Cap de Gascogne avec le pays grenadois. Le problème, c'est que depuis deux mois, vous êtes allé partout, vous ne savez pas quoi proposer, et que là, au bout du bout, vous vous retrouvez dans le coin, vous ne savez plus quoi faire, et vous nous sortez du chapeau cette proposition qui n'est soutenue que par vous-même et par M. le Président de la Comcom, qui, je ne le répète, n'a pas fait délibérer son conseil communautaire. Et je tiens à la disposition de quiconque aux propositions de fusion, parce que c'était assez farfelu, c'est amusant. Il y a même des priorités, ce que vous préférez en premier, en deuxième, en troisième. Et la troisième proposition, c'est le pays grenadois. Vous n'en parlez plus parce que vous dites que ce n'est pas pertinent. C'est marqué en toutes lettres. Je le laisse à la disposition de qui veut avoir ces informations émanant de propos tenus par le maire de Saint-Sever. Vous êtes le girouette, monsieur le maire. Monsieur Martinez, moi, je n'ai pas changé d'avis sur la médiathèque. Entre ce que je proposais pendant la campagne et ce que j'ai voté contre l'été dernier. Si la médiathèque ne se fait pas, c'est par votre changement de poste. Moi, je n'ai pas changé. C'est le sujet, monsieur le maire. On parle d'une fusion, là. Mais quand ça vous dérange. Est-ce que vous pouvez dire que j'ai tort, que je profère des mensonges? Ah, mais je vais vous expliquer, parce que, effectivement. Ah, vous expliquez, vous dites pas non. Moi, vous me donnez l'occasion d'expliquer exactement ce que je pense sur ce sujet. Écoutez, quand on regarde les choses avec un esprit qui n'est pas ouvert à la compréhension, c'est plus compliqué. Je suis convaincu que sur la durée, qu'à terme, notre avenir est d'être dans l'agglomération du Marsan. Je l'ai toujours affirmé. C'est une constante. J'ai toujours indiqué que, à mon sens, nous devrions être dans un SCOT avec le Marsan. Que dans la nouvelle région, toute agglomération qui aura moins de 100 000 personnes n'existera plus. Et que seuls les territoires ruraux qui sont fédérés ou autour d'une vraie cité ou autour d'une ville attractive pourront aller de l'avant. C'était l'esprit de ce que j'ai toujours évoqué. La deuxième chose, qui est une constance, c'est que j'ai toujours demandé à la préfecture, et vous pouvez reprendre tous les procès-verbaux, que puisse être étudié pour notre territoire plusieurs fois. Là où les choses ont cheminé, nous nous sommes rencontrés avec le pays grenadois. Et je pense que l'intérêt de notre territoire aujourd'hui est de fusionner dans un premier temps avec le pays grenadois. De façon à, si un jour nous devions rejoindre la voie du Marsan, nous puissions le faire en position de force, en ayant 20 000 habitants pour peser sur les décisions. Aujourd'hui, et on va conclure ce débat, puisqu'aujourd'hui on délibère sur l'idée de faire un référendum, que le débat pourra aller à son terme, nous avons à faire porter à la connaissance de nos concitoyens que Madame le Préfet, et c'est dans les considérants, nous soumet une proposition de fusion avec Agedmo et avec Tursan. Aujourd'hui, nous manquons malheureusement de la part de Madame le Préfet d'une analyse exhaustive des conséquences que pourrait avoir la fusion entre le pays grenadois et le cas de Gascogne. Je pense personnellement, et c'est pour ça que nous avons libellé la question de cette manière, que cette fusion avec le pays grenadois est la plus opportune, et que c'est celle
qui correspond à l'intérêt de nos concitoyens aujourd'hui, pour les laisser libres dans quelques années de pouvoir aller ou avec le pays du Marsan ou avec un pays du Sud, mais qui nous permettent d'ici là de faire les réalisations qui sont primordiales pour notre quotidien, aménager la zone industrielle de Péray, finir la médiathèque, rénover notre piscine, aménager un office de tourisme digne de ce nom, avoir l'accompagnement de la communauté des communes sur la création de notre musée, c'est ça qui m'intéresse. Et je veux que le projet communautaire puisse avoir ces réalisations-là sur notre commune dans les années à venir. Et donc, et je lutte contre la perspective d'augmentation d'impôts pour tous les propriétaires Saint-Séverin qui est à l'œuvre dans la proposition de Madame le Préfet. Je veux donc alerter les Saint-Séverins, profiter de ces deux mois pour faire une vraie campagne. Et si les Saint-Séverins, par ce vote, nous renforcent dans notre légitimité, essayer d'avoir de la part de Madame le Préfet l'accord de sortir de son projet de fusion qu'elle veut nous imposer. Maintenant, comme c'est une consultation, et comme je souhaite et qu'elle ait un caractère officiel, je veux que Madame le Préfet nous valide ce report de délai, et je respecterai le choix du peuple. Si il venait à y avoir un non à cette question, je me rangerai derrière l'avis des Saint-Séverins, et je soumettrai au conseil municipal un vote contre le projet de Grenade, mais c'est après beaucoup de rencontres, beaucoup de travail d'analyse, et en conscience, je pense que l'intérêt des Saint-Séverins est d'aller aujourd'hui avec Grenade, et je pense que maintenant, à nous de faire confiance à la population. Je crois que le débat est long, on vient d'y passer une heure, et donc nous allons maintenant passer au vote. Je crois que tout a été dit. Oui ? Juste une remarque, simplement pour dire à M. Martinez, que nous n'avons pas voté pour un projet HCU Tursan, commune du Gascogne et Grenadois. Est-ce que vous avez voté en motion ? Non, monsieur, nous n'avons pas voté. Non, nous n'avons pas voté pour un projet, nous avons voté pour qu'on étudie le projet, ce qui est totalement différent. De la même manière qu'on souhaite que soient étudiés les projets avec Grenade tout seul, que... En réalité, aujourd'hui, on a deux propositions, c'est la proposition de la préfète et la proposition de Grenade, et on a quatre éventualités. La première éventualité, c'est de ne rien faire, c'est-à-dire rester comme nous sommes. Je crois qu'il faut que les gens le sachent. On peut très bien rester comme nous sommes. La deuxième éventualité, c'est celle qui est proposée par la préfète, et c'est s'associer avec le Tursan et Agitmo Commune Unie. La troisième possibilité, c'est de s'associer avec Grenade, et uniquement avec Grenade. Et la quatrième, c'est de s'associer Tursan, Agitmo Commune Unie, et Grenade, et le Cap de Gascogne. Moi, personnellement, j'aurais préféré que le référendum se fasse sur les quatre éventualités, pour que les gens puissent avoir un choix le plus large possible. Mais je pense que si on veut que... on ait une réelle compréhension, si les gens ont quatre réponses, ils vont être un petit peu perdus. En tout cas, moi personnellement, vous l'avez noté, moi je pense, au vu des éléments que j'ai à l'heure actuelle, que le rapprochement avec Grenade me paraît être le plus intéressant pour notre communauté, mais je peux avoir tort. Et je pense que ce n'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi de décider parce que je n'ai pas le mandat pour. Et je pense que c'est beaucoup plus au peuple de décider, c'est à la population de décider, et c'est à personne d'autre. Je n'ai pas à décider pour les autres, d'autant plus que ce sont des orientations qui vont obligatoirement changer et de manière relativement importante, la vie de chacun des habitants de la commune, de la communauté de communes et des autres communautés de communes. Donc je pense qu'il faut que les gens soient au courant et que les gens puissent se prononcer. Je répète, ma préférence va peut-être à Grenade, mais je peux avoir tort, et je le reconnais. Et donc ce que je souhaite, c'est que les gens puissent s'exprimer, et c'est ça qui me paraît le plus important. Alors, la proposition du groupe majoritaire,
c'est d'aller avec Renan, on va poser cette question et nous verrons bien quelle sera la réponse. Bien. On fait court, parce qu'il y en a une heure qu'on est sur le sujet. On fait court, on risque de me répéter. L'objet du scrutin, les électeurs de la commune de Saint-Sauvé sont convoqués le 5 mars pour émettre un avis sur la proposition de Madame le Préfet de fusionner les trois Comcom. Donc, expliquez-moi la question posée à la population. C'est n'importe quoi. La question, c'est êtes-vous favorable à la fusion de la Comcom du Cap de Gascogne avec la seule communauté de communes du pays grenadois? Écoutez, moi, je conclue ici. Je vous dis tout de suite que notre proposition, notre sens du vote est très simple. On ne va pas participer à cette mascarade parce que, manifestement, il y a des copier-coller. Vous avez fait ça à l'arrache, pardonnez-moi l'expression. Je suis affligé. Venant de vous, ce n'est pas grave. Vous faites de la politique, je comprends. Je réprouve ce type de politique. Mais voir des conseillers municipaux, parce que je vois dans le regard que ça les interpelle aussi, ils se disent, effectivement, entre l'objet et la question, il y a un problème. Nous ne participerons pas au vote de cette mascarade. Ne parlez pas à la place des gens, monsieur Martinez. Si vous... Monsieur Martinez, je ne vous permets pas d'avoir des propos insultants sur vos collègues. Cette délibération, on l'a lue, relue. Elle intègre dans les considérants la proposition de Madame le Préfet pour que tout le monde en ait conscience. Mais la question, c'est aussi de faire savoir aux gens qu'il y a une autre proposition qui existe, qui a été transmise à la préfète par Monsieur le Président de la communauté des communes du pays grenadois. C'est une lettre officielle et sur laquelle, puisque nous on pense que c'est plus avantageux, nous posons la question aux gens en ayant connaissance de tous les considérants. Et donc cette question est tout à fait valide. Je vois qu'une fois de plus ce soir, malheureusement, vous en sortez par des entourloupes. Nous achetons à un bon prix un terrain stratégique. Ça vous fait mal au cœur. Restez sur le schéma, de voter pour vous. Et sur cette délibération-là qui est importante, parce que vous avez du mal à assumer qu'on puisse donner la parole au peuple, mais c'est exactement ça. En refusant l'organisation de ce référendum, de cette consultation, vous perdez en confiance par rapport au peuple. Je vois d'ailleurs qu'il n'y a aucune contre-proposition de question qui aurait pu venir étayer l'idée que vous vouliez. C'était qu'un problème de question. Eh bien non, vous en sortez par une non-participation. Et moi, je suis fier de nos élus, du groupe majoritaire, qui ce soir réaffirme le désir qui est le leur d'associer la population aux décisions et en démocratie leur totale confiance dans les électeurs. Et donc je vous soumets au vote qui est pour, qui est une consultation qui permettra aux Saint-Séverins d'être associés et de choisir cette décision. Je rappelle que le vote des Saint-Séverins, nous le suivrons, y compris s'il n'est pas favorable à ce que nous pensons dans notre cœur et que nous allons défendre. Y a-t-il des gens qui sont contre cette consultation? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui sont pour? J'espère que la préfecture nous laissera organiser cette consultation de façon à ce que nous ayons 2 mois de débat intense, de façon à ce que les Saint-Séverins puissent choisir leur territoire d'avenir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'année à tous.